Alors attention, je regardais vite fait. Est-ce qu'il s'est lancé? Non, toujours pas. Ah si c'est. Alors la musique, on va vérifier aussi. Je sais pas si la musique est validée. C'est validé ou pas la musique là? Je vais devoir ouvrir le. J'entends rien. J'entends rien, j'ai pas l'impression qu'il y ait du son. En fait, à chaque fois que je quitte le truc, c'est. Il n'y a pas de son. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas de son. Je sais pas pourquoi. Je vais prendre la manette pour tester du coup. Ok. Alors le but c'est de survivre. Mais je tiens à vous préciser, je vois pas tout l'écran, donc est-ce possible que je meure avec un écran biaisé? Voilà, bonjour. Bonjour. Je vais mettre peut-être l'histoire des repères à côté, au cas où. Bon, la modération est là. Je vois le chat. C'est magnifique. Ok. Du coup, c'est un jeu de survie. C'est un jeu de survie. Moi, j'aimerais bien qu'on n'utilise pas les singes, mais je sais pas si on peut le faire. Parce qu'en fait, on a un singe potentiel qui mimique nos habitudes. Sauf que le problème, c'est que déjà, on a une habitude un peu. Oui, bon, ça c'est cool déjà. Merci, Nibbler. Est-ce que tu entends bien la musique? J'ai fait une partie vite teuf pour voir. Voilà, et du coup je connais pas le. Bon, on verra, on vérifiera ça. Les touches, voilà. Alors construire. Ok. Inventaire, c'est quoi? Y? Non, c'est. Ah oui, d'accord. Ok. Toute façon, il va m'apprendre, on va refaire le tuto. Donc oui, l'idée c'est on joue un jeu. Non, moi je veux refaire le tuto. Est-ce qu'on peut. Je peux supprimer ça? Oui. Je veux supprimer. Sélection. Non. Je veux supprimer. Pourquoi ça supprime pas? Pourquoi mon X ne supprime pas, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Les décideurs. C'est ma manette, la décideuse. Oui, ça fonctionne normalement. Pourquoi là, l'emplacement de ça? Non mais. Voilà, supprimer, supprimer. Non, retour arrière, c'est quoi déjà retour arrière? Je me rappelle jamais moi. Espace. Alors, supprimer, c'est la touche supprimer, on est d'accord. Du coup, retour arrière, c'est pas ça? Non. Faut pas supprimer ça? Pourquoi? Espace, sélectionner. Non. Pourquoi? Voilà, on va choisir ça. C'est tout, vraiment commencer une nouvelle île? Ah mais oui, mais en fait c'est ça qu'il faut faire, nouvelle île. Voilà, oui. Ok, on va commencer une nouvelle île. Alors l'idée, j'ai fait le début, c'est pas très compliqué. Il y a une super roulade, ça c'est que ça c'est vachement cool. Je crois qu'on va se retrouver avec des combats. Je ne joue pas en coop, je ne joue pas. Alors j'aime bien le jouer à ce genre de jeu un peu solo parce que c'est un peu la base, j'ai envie de dire. Après je sais que par exemple Don't Starve, j'aime bien aussi jouer en groupe. Mais bon, c'est en fait, je trouve que c'est trop, on s'organise trop bien, trop rapidement. Et les jeux de survie, c'est un peu, moi, c'est un truc que j'aime bien à faire, parce que c'est motivant hein, de recréer tout son écosystème. Mais bon, l'idée, c'est surtout de voir si on peut tenter des trucs, voir les limites des choses, tout ça, tout ça. Donc on verra. On vieillit des ruines. Bah oui, mais. C'est joli en tout cas. Si on se retrouve avec les shrines là, c'est cool. Les portes. Ou même les totems. Ouais, et donc du coup, on va voir aussi les limitations des choses. Parce qu'en fait, moi, c'est ça qui me dérange dans les jeux de survie, c'est qu'il y a beaucoup de limitations. Ouais, il y a des gobelins. Et que les limitations du type. Enfin, j'ai joué à quoi déjà la dernière fois? C'était. Où en fait tu devais reconstruire des machines au final. Des machines avec.
Comment... Alors, voulez-vous voir des conseils? Oui, on veut voir des conseils. Où suis-je? Qui suis-je? Alors, dans l'onglet profil, vous pouvez personnaliser votre apparence. Bon, on va faire ça. Youp! Alors, on va changer la couleur de peau. On va faire comme ça. Corps fin. On va garder notre chauve, je crois, parce qu'il n'y a pas de coupe ouf. Et un peu une barbe quand même, faut pas déconner. Est-ce qu'on peut changer la couleur? C'est moi ou ça bug? Peut-être que mon écran, hein, c'est possible. Voilà. Est-ce qu'on a du... est-ce qu'on peut avoir du blanc? Blanc. Ah ouais, ça va être vraiment être problématique, hein, cette histoire de caméra qui est en face de ma tête. Après j'aime bien l'effet médaillon, mais faut... ça bug? Est-ce que... ça bug pas pour vous, ça bug pour moi. C'est vraiment très très chelou. Des flashs. Je sais pas si c'est à cause de, du fait que j'ai la manette. Bon. Hop. Et du coup, on va faire un petit bleu. Alors là, je vois rien, du coup. Attendez, là, je m'approche. Le bleu, là. Le bleu. Le bleu. Non, mais c'est quoi ces couleurs? Voilà, on veut un jean. Ok. Et le nom? Et le nom, comment on change de nom? Renommé, Y, voilà. Renommé, du coup. Moi, je prends toujours Idriss parce que c'est mon personnage. C'est mon personnage. Ah, on peut changer LB. Singe bûcheron, voilà. Donc, on a des singes. Ça va, là. Ah oui, le LB, il va pas, il fonctionne pas des masses. Ah... le RB plutôt, il fonctionne pas trop. Ah non, mais c'est peut-être ce que je suis au maximum. Donc ça, c'est la carte. Bon, je pense qu'on en aura besoin. Nous, on est ici. C'est notre maison. Donc on va mettre... voilà. Ça, c'est... ah, mince, il y avait déjà un truc. On peut l'enlever? Comment on l'enlève? Désépingler. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Hein. Je vais changer peut-être la taille. Attention. Attention! Je sais pas si c'est... ouais, je suis un peu plus loin. Un peu moins haut. Vous voyez un peu plus mon torse. C'est pas grave. Là, je vois un peu mieux parce que je voyais pas le centre du tout depuis tout à l'heure. Donc là, c'est bien. Du coup... vous avez récupéré une entrée de journal d'un autre survivant. Vous pouvez lire cette entrée dans l'onglet « Mythe de votre journal ». Alors ça, c'est quoi? C'est quoi cette touche déjà? C'est... Select. Vous avez reçu votre première carte au trésor. Les cartes au trésor sont répertoriées dans le journal. Ok. On va regarder ça tout de suite. Vous pouvez ajouter des repères de cartes. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Ok. On regarde un peu. Donc ça, c'est une livraison spéciale. Heureusement, vous avez embarqué tôt. Alors... Boxex livre toujours à temps, sauf cette fois, le pilote est arrivé en retard et l'avion est parti. Ok. C'est une carte trésor. Heureusement, vous avez embarqué tôt. Boxex se met en carte pour vous satisfaire, profiter des dernières tendances. Donc ça, c'est un marchand, j'imagine. Et ça, c'est mon mythe. La tempête est la dernière chose dont je me souviens, mais ce n'était pas une tempête ordinaire. Ok. La mer est devenue mauvaise, et tout à coup, autour de moi, ce n'était que vagues hautes et nuages noirs. Entre deux vagues, je pouvais voir une sorte de portail de couleur verte en train de s'ouvrir. Et à présent, je suis ici. Mais où suis-je? Quoi qu'il en soit, je dois survivre. Je pourrais peut-être fabriquer quelque chose d'utile avec les cailloux sur la plage. On va faire les cailloux, du coup. Ok, fermé. Alors, oui, il y a ça aussi. On peut ramasser ça. Alors, en rade sur une île déserte, vous ne connaissez rien à la survie. Visitez la mystérieuse boutique. Nous vendons tout un tas d'articles. La vie insulaire peut se montrer rude pour les nouveaux arrivants. Ok. Alors, on peut prendre tout. On peut tout transférer? Voilà. Voilà, c'est mieux. Vous devez manger pour éviter la faim. La faim se trouve... alors oui, je peux me balader dans ma sélection. Et X pour manger, ok. Et du coup, la faim, je pense que c'est le notre cœur. Les objets simples peuvent être fabriqués dans votre main en appuyant sur Y. Bon, on va faire ça tout de suite. Comment qu'on quitte, voilà.
Sélectionnez une recette, appuyez sur A pour commencer à fabriquer. Plus vous fabriquez d'objets, plus vous débloquez des recettes. Bon, faut qu'on débloque vite, je pense, parce que là, hop, petit silex. Bravo, sélectionnez la hachette avec LB. Une fois équipé, vous pouvez débiter avec la hachette. Alors, c'est une hachette, ça? Ah, moi, je croyais que c'était un silex. Bah, attends. On va faire ça tout de suite. X. X. Alors, voilà. Chose que je ne voulais pas faire, c'était bien de détruire des arbres, mais en fait, on est obligé, déjà, pour dormir. Et sauvegarder, du coup. C'est pour ça que je voulais... C'est pour ça que je l'ai testé avant. Donc là, par exemple, j'ai... Apparemment, l'endurance, c'est mon... C'est le petit écriteau sur le côté droit avec un éclair. On prend tout, on prend tout. Ok, on va prendre ça. Donc apparemment les platanes c'est plus compliqué à faire tomber. Hein. Il y a une souche qui reste. Et alors du coup je sais qu'il faut aussi qu'on coupe des herbes. Est-ce qu'on peut couper ça comme herbe? Non. Ça oui. Et c'est ça qui va nous permettre de faire le lit. C'est ce que j'avais fait. J'ai fait un lit et je me suis posé en plein milieu du truc. Mais là, je pense qu'on va aller chercher un endroit parce que c'est mieux quand même de chercher un endroit, non, pour pouvoir se poser. Alors, bien entendu, on va se faire des choses aussi. Donc ça c'est pour ça c'est un coup. Alors pour moi c'est un coussin mais ça, je pense que c'est un lit. On va faire ça. Est-ce que je peux faire? Non. On va faire ça d'abord. Voilà. Ensuite on va faire ça. Voilà. Ce qui me permet de faire le lit en entier. Voilà. Donc là déjà j'ai le lit en entier. Mais par contre pour pouvoir faire le lit en entier il faut que je puisse faire aussi ça. Chose que je ne peux pas tenir. On va se débarrasser des pétales, je sais pas comment on lâche. Comment on lâche? Comment on lâche? Comment on lâche? Comment on lâche? Interagir, utiliser objet, déplacer objet, lâcher. Ah oui, d'accord. Okay. Forcément, c'est le seul truc que je veux. Hop. On va prendre ça. On revient sur notre silex. Vous pouvez courir en maintenant B pendant votre déplacement. Toucher B pour faire une roulade à travers les brèches et les obstacles. C'est maintenant que tu me dis comment on lâche les objets? Voilà, donc on va se déplacer comme ça. Hein. On va essayer de se balader dans le monde. Alors moi j'aime bien choisir un endroit où c'est un peu le passage mais sans être le passage. Ouh, il y a des trucs là. Bah, tout à l'heure. En fait, j'aimerais bien suivre les côtes d'abord pour voir ce qu'il y a. Peut-être manger là. Peut-être manger. Ah, il y a des lapins ici. Alors attendez. Là, je suis un peu dans les terres là. Il y a des lapins, il y a des trous de terrier et tout. On dirait Don't Starve. Oh, ça a l'air bien, c'est mignon ici. Là, sur la petite plage. C'est joli. Ah! On va prendre ça. Hein. Apparemment, il y a quelqu'un d'autre qui a trouvé ça mignon, mais il y a un peu des cadavres. Je pense que ici, c'est pas mal au final. On va continuer, on va faire le tour de l'île au maximum. Pour essayer de trouver un endroit où se poser. Et on va prendre tout ce qu'on trouve. On va prendre tout ce qui a l'air intéressant. Alors je pense que le premier truc à faire de toute façon quand on est perdu. Ah bah il y a quelqu'un qui est mort ici. Là il y a plusieurs personnes qui sont mortes. Ah. Bonjour messieurs, j'espère que pendant la nuit vous vous réveillez pas. On va peut-être noter sur notre carte que ici il y a des cadavres. Et ici je crois. Pour sauvegarder. Ah oui, c'est vrai.
Il faut que je sauvegarde un moment dans ma vie. Quoi, il fait nuit? Bon, bah, de toute façon, nous, on fait le tour. J'espère qu'elle n'est pas si grande que ça, l'île. Parce que ça serait compliqué. On va prendre un peu de... Je pense qu'on risque d'en avoir besoin des pierres. Ben, on a trouvé notre marchand. Je pense qu'on va se poser ici. Alors, c'est où? Notre marchand, il est là. Hein. Voilà. Et par contre, on peut pas faire le contour de ce chaînon de maison. Je pense que là, on n'est pas mort. Je pense que l'idée... Oh, bonjour le lama! Vous êtes un lama, monsieur? Non, vous êtes une vache. Ok. Excusez-moi. Hein. On va revenir tout en haut et se poser là, dans la petite baie qui était assez jolie, à côté des cadavres. On va nettoyer les cadavres. Je crois qu'il y avait une sorte de petit truc qui nous permettait de savoir justement. Enfin, qui te permettait d'avoir plutôt. Comment l'exprimer avec des mots? De sécher des viandes si jamais on en trouvait. Alors du coup, on va essayer de voir si on peut aussi éviter de manger des viandes et faire que de la cueillette. Ce serait intéressant aussi à tester. Je sais pas si au bout d'un moment, je vois que ces points de vie tombent. Ah bah voilà, on est arrivé. Est-ce que ça, c'est quoi ça? On sait pas ce que c'est. Ajouter. On peut ajouter du bois. Ah mais c'est un feu! Mais c'est trop bien. Alors attention, on va regarder. Oui, on va se poser ici. En plus, il y a de la place là à côté pour faire le lit, je crois. Bon, attendez. Comment on fait RT pour la construction. Sélectionner un plan à placer dans le mode d'emploi. Une fois qu'il est à l'endroit souhaité, appuyez sur pour le poser. Le plan peut être ensuite construit en quittant le mode plan. Très bien. Donc là, par exemple, on a la couche confortable. Alors moi, je suis un fin architecte. Donc j'aimerais tourner cette chose. Comment qu'on tourne? Sinon, on fait dodo à côté des tripes. Sinon, il y a en haut. Attendez, on va regarder en haut, parce qu'en haut, c'était quand même joli. Voilà. Ici, c'est joli. Ici. On va faire ça ici, je pense que c'est mieux. Parce qu'en plus, le matin, ça doit être cool à voir. Ok. Ici. Après avoir placé un plan, vous devez y ajouter des objets de recette. Ok. Une fois la recette complète, équipez un maillet. Très bien. Alors, j'ajoute, j'équipe le maillet. Je fabrique. Pensez à sauvegarder fréquemment, le monde qui vous entoure est dangereux. Pour sauvegarder votre partie, dormez dans un lit. Votre monde sera ainsi sauvegardé si vous rejoignez par une minute. Oui, mais ça, c'est pas grave. Multiplayer, on jouera pas. J'ai vu, j'ai cru voir un gros minet. Non, j'ai vu, alors, j'ai compris que les chauves-souris n'allaient pas être mes amis. Choisissez une arme et attaquez avec vos... Oui, bah oui, je me doute. J'ai pas d'arme. On va prendre ça. Allez, voilà. Et donc, après, on peut manger les ailes de chauves-souris, apparemment. Besoin de drap, bah, on va poser le drap. Voilà. Et on va sauvegarder maintenant. Sauvegarder. Je pense qu'on a bien commencé. On a bien repéré le coin. On va ramasser les ailes. Est-ce qu'on peut faire autre chose du coup avec la construction? Alors ça c'est quoi? Des murs en bottes de paille, ça c'est pas mal. Un simple chemin de galets, c'est pas mal aussi. Lit léger. Augmente légèrement la santé max et sauvegarde la progression. Donc ça c'est un lit lourd. Ah c'est un petit truc genre... Ok. Cuisinez vos plats au-dessus de ce feu de camp. Mais non mais on a déjà un feu de camp. Est-ce que je peux récupérer le feu de camp d'ailleurs? C'est une bonne question ça. La nourriture cuisinée vous apporte divers bénéfices. Bon, on va cuisiner. J'ai pas assez. J'ai pas assez non plus. Et ça, par contre, je crois que j'ai assez. Alors, faut que j'ajoute tout ça.
Faut que j'équipe le maillet? Ok. C'est avec le maillet que je fais à manger? Cool. C'est trop bien. Et je peux en faire plusieurs. Alors là, du coup, ça m'a donné ça. Peut-être que ce serait bien d'en faire plusieurs, mais... Ah, c'est un smoothie de fruits. C'est trop bien. Alors attends, je vais lâcher ça, là. J'ai pas besoin de ça. Les ailes, là, de chauve-souris. Comment qu'on lâche? Ah oui, c'est ça. Hop. Voilà. Et donc, avec mon super truc ici. Est-ce que je peux créer d'autres choses? Oui, il me faut une arme. Ok. Ça peut servir aussi, un petit bâton. Ok. Est-ce que je peux faire d'autres objets? Peut-être ça. Ça me permet de débloquer des choses. Pierre plus grande aux usages multiples, ça peut être intéressant. Poignée d'outils, ça peut être intéressant. Bol de fortune. Ah, oui, mais ça, on va faire un bol. Voilà. Donc on a un contenant en plus, ce qui est pas mal. C'est dommage, là, l'histoire du truc, là. Est-ce que je peux casser ça, là, ou on peut l'utiliser? Je sais pas. Ça me sert à quoi d'avoir un bâton en bois, exactement, si je peux pas l'utiliser? Est-ce qu'on peut l'utiliser sur les... Oh... Ok, du coup, je vais éteindre le feu, peut-être qu'on peut l'éteindre. En soi, ça peut être intéressant. Ou sinon, on fait, oui, on va en faire d'autres. On va faire un maximum de smoothies. On peut en faire 6, je crois, avec ça. Ajouter. Composants de recettes manquants. Ah, il manque un truc. Annuler. Ok. Non mais je veux pas les... Mais non! C'était pas ça que je voulais faire, je voulais voir ce qu'on pouvait faire avec le truc. Voilà, hop. Prends les baies. Ça fait déjà 1 heure? Waouh, Wizbot, t'es au taquet, hein? Est-ce qu'on peut faire de... Non, alors, c'est pas ça non plus. Donc ça, c'était intéressant, ça c'est intéressant. Faudra qu'on coupe des herbes encore. Faut qu'on enlève celle-ci. Ça c'est en fait, ici c'est mon arrivée, donc logiquement il faudrait que je mette, ici c'est mon arrivée, c'est mon point, on a fait ça. Il faudrait qu'on fasse un peu le tour dans l'autre sens aussi, peut-être un peu. Ah, il y a un point ici, intéressant. Voilà, donc la livraison spéciale, je pense que c'est pas mal, il faudrait qu'on y aille. Il y a peut-être des trucs qui peuvent être intéressants. Mais je voulais regarder d'abord, c'était, oui c'était ça. Est-ce qu'on a débloqué des trucs? Non, non, non. Est-ce que si je refais un feu ici, ça me sert à quelque chose. Par exemple, là. Genre. Logiquement, je devrais dormir à côté du feu. Au niveau des pieds. Parce qu'il fait froid au niveau des pieds. Bon, on verra. Est-ce qu'on peut l'alimenter déjà? Est-ce qu'on a des trucs pour. Oui, bah si, c'est bien. Hop. Hop. Équiper Maya. Faut juste que je m'équipe de Maya, c'est bon? Du coup, je peux le détruire ou pas, l'autre truc? L'autre feu. Donc maintenant il manque du feu. Okay. Bon ça c'est bien hein, quand même comme truc, mais je peux pas casser. Non. Je peux le casser peut-être avec ça. Oui, c'est ça. Boîte de construction, boîte de construction. Je peux pas casser le... Et ça. C'est quoi qui a été pris là? Ah oui, il y a un grand truc là qu'on n'a pas besoin. On va déplacer tout ça ici. Parce que ça a l'air innocent hein, ce que je fais, mais j'optimise. J'optimise les endroits. Je pense que le bois, on n'en aura pas forcément besoin en se déplaçant. Donc on va essayer de faire en sorte que le bois, il reste là. Ici, voilà. C'est pareil pour les pierres, peut-être qu'on en aura... Quoique si, je vois qu'il y a mon silex qui commence à bucket. Dans le sens, il en a marre. Peut-être, on va essayer de faire les... On peut pas casser le... ça? C'est fou, cette histoire. Ah, mais maintenant que j'ai un bol, je peux faire ça. Ok. Ah, c'est bien. C'est bien. Ok. Et du coup, je peux pas casser le feu. Bon, peut-être qu'il faudra que je débloque un truc. On va laisser des trucs. Genre les ropes. Donc, du coup, les cordes. In English, you know. On va laisser les cordes.
Les trucs un peu bruts qu'on n'a pas forcément besoin. Ah, je peux plus récupérer les trucs. Je peux plus. Pourquoi? Ah oui, bah ça c'est bon. Ok. Ah oui, je peux les déplacer avec. Hop. Ça, on n'en a pas besoin. Oui, les baies, on va les garder. Et la bouffe aussi. Allez, on va aller voir notre super. On va y regarder un peu aussi le champ là. Ah, il y a beaucoup de cadavres hein, quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est? Mon maillet. Je peux récupérer ou pas? Bah oui, nous on prend. Hein. C'est toujours, toujours très agréable. Alors, le pillage. C'est un peu la base de la survie quand même, hein, je trouve, sur les cadavres, en tout cas. Là, il y a des pirates. Est-ce que vous avez des... Ah, je vois, il y a quelqu'un, il a un gobelet. Boulet de canne, intéressant, on prend. Ça ne sert à rien, mais... Ok, il n'y a rien. Messieurs, je vois que vous êtes bien équipés. Mais aussi un peu vide, hein. Bon, les boulets de canon, je sais pas à quoi ça sert, on va peut-être les échanger avec le marchand. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de singe. Et je suis plutôt content. Je suis plutôt content parce que je sais pas si quand on trouve un singe, est-ce qu'on est obligé de le prendre en tant que subalterne? Je ne sais pas. Ramasser le couvre-chef. Je peux mettre le couvre-chef? Je peux ressembler à... C'est où? C'est où qu'on met le couvre-chef? Est-ce que c'est du côté de mon chauve? Non. Bonjour monsieur. Êtes-vous la... êtes-vous le chef? On ramasse le couvre-chef. On ramasse le couvre-chef. Ah, il n'y a que des couilles sur le chef, ok. C'est intéressant. C'est intéressant. Monsieur, vous étiez un vendeur de chapeaux, je crois. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des trucs dans les boîtes? J'ai pas l'impression. Est-ce que je peux casser quelque chose là? Non. J'ai un carte trésor terminé. Mais c'était juste ça? Fallait juste trouver des couvre-chefs? Je suis pas très d'accord. Bon, on continue, hein, notre petite balade. On va prendre un peu des baies, je pense, ici. Oh non! Il va faire nuit! On s'enfuit, j'ai vu, il y a l'arrivée des méchantes chauves-souris. On va se balader par là. Est-ce que du coup... Ah, bonjour monsieur, l'être de la forêt. On va monter en haut. Ah, bonjour. Un tank. Tout ce que je croyais pas trouver ici. Pourquoi il y a un tank? Ah! Non mais, je suis pas d'accord, monsieur... Non mais... Non mais... T'es sérieux? Pourquoi tu veux me tuer? Je n'ai rien fait. Évitez! Ah, c'est vous qui avez tué tous ces gens? Je me disais aussi. Vous vous énervez la nuit. Intéressant. Un pot de fleurs. Super. On va noter cet endroit. Voilà. En fait, c'est à côté des... J'ai bien fait de rentrer, au final, hein, parce que j'allais me faire agresser par les êtres de la forêt. On dirait les... Comment s'appelle... Le représentant de la forêt de Totoro. Pas de Totoro, mais de Princesse Mononoke. On va manger un peu. On va abandonner nos boulets de canon. On n'en a pas besoin. On va construire 2-3 trucs parce que je crois que ça va nous servir. Ah. On va devoir prendre un peu ça. On va faire une poignée d'outils, je pense que ça va nous débloquer des trucs. Ouais, sans doute. Qu'est-ce que c'est? Une torche, ça peut aider. Peut-être que les chauves-souris auront peur du coup. Et là on a débloqué tout. Intéressant. Du coup, il faudrait que j'aille dans une mine, j'imagine, pour pouvoir miner.
un simple chemin de galets. Bah écoute, je sais pas. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un chemin de galets? Satané chauve-souris. Mais non, mais pas dans mon lit. J'ai dormi. Oui, on va sauvegarder et dormir même. J'ai dormi à côté d'un cadavre de chauve-souris, c'est magnifique. Alors, j'ai vu qu'on pouvait faire une recette avec deux restes de viande. Je rajoute, je choisis une recette, les restes de viande, voilà. Ah, il en faut 4. Donc on annule. Là, il y en a combien? 2. Non, mais j'ai pas ça aussi. Bon. Est-ce que j'ai ça? Oui, j'ai ça. Ajouter. J'ajoute. Je veux ça aussi. Ajouter. Ah, il manque des trucs. Bon, allez, ok. Si, bon, on arrête. Hein. Je suis un peu blindé, en fait, en truc. Comment on fait, là, le reste? Il faudrait que je fasse quoi? Ça, j'ai fait, ça, j'ai fait. Est-ce qu'il faudrait que j'augmente mon truc? Non. Ah! On peut faire ça. Ça, c'est intéressant. On va faire une table. Alors, logiquement. Nous, on fait dodo à côté de mon genre. On va faire ça. Est-ce que je le fais quand même ça? Manger avec les lapins. Je regarde les lapins. Non. Nous, on regarde du côté de la mer. Donc, on va mettre comme ça. Ici, c'est bien. Est-ce qu'on peut rajouter du coup des trucs? Ramasser des... Alors non. Ajouter. Ah, faut que j'en fasse 4. Ok. Bon, ça c'est bien, on va les débloquer comme ça. Il me faut de la corde. Je vais prendre la corde. Hop. 1. 2. J'ai pas de... Faut que j'aille couper des trucs. Ok. C'est où qu'on va couper? Alors non, on va pas couper sur notre plage, on va les couper ailleurs. Histoire de... Ah, il y a des planches, là. On va couper là où on est arrivé, en fait, je crois. Ça va être ça, l'histoire. Et ça, en fait, on a... Mais qu'est-ce que c'est cette... il y a eu la guerre, ici. Mais c'est hanté. Je pourrais conduire des... Ah, tiens. Oh, il a laissé sa photo de bien-aimé. Bah écoute, on va couper ce grand arbre là. Ah bah on a trouvé l'autre côté de l'île, j'ai l'impression. Oui, ne travaillons pas trop. Indeed. Ah, j'ai cassé mon truc. Oh. Mais ça, c'est une hachette, vraiment. On dirait vraiment qu'il utilise un... Ah. Écoute, on va t'abandonner ici. Nous, on va prendre le bois de construction. C'est ça qu'on a besoin. Ok. Et maintenant... Voilà. Encore. Voilà. Et je crois qu'on devait en faire 4, c'est ça? Je sais plus. Bon. On peut prendre. On peut en faire encore un? Bon. A tout à l'heure! On s'est un peu gâché du matériel. C'est un peu triste. Ah, mais il y avait du charbon ici. Je me disais bien. Enfin non, je me disais pas du tout. Allez hop, on rajoute. Il me faut le maillet, je crois, non? Ajouter. Fabriquer. Vas-y, fabrique. J'ai faim, là? Non. Ah si. J'ai plus de baie. On va aller chercher de la baie. Hein. Ah, on peut rajouter. Attendez, on laisse ça sur la table. On peut pas rajouter plus? Ok. Il nous faut qu'on aille chercher de quoi manger. Voilà, là il y a des baies. On va manger ça.
Prends. C'est bon, les baies. On prend tout. C'est pas les pétales. Fiche les pétales pour l'instant. Ouais, ils vont vite, hein, quand même. Je pense qu'il faut des pièges pour les lapins. Hein. Ils vont très très vite, quand même. Ok. Bon, on va retirer ça. Je pense que c'est pas ça qu'il faut mettre. Alors, est-ce qu'on a débloqué des trucs? Non, toujours pas. Donc, en faisant la poignée, j'ai fait la torche. Mais du coup, il en faut 4 des charbons. Il y en a qu'un. Ok. Je pense qu'il nous faut... En fait, ce serait bien d'avoir... comment ça s'appelle Ah, on peut faire une... Bah voilà, on va faire ça. Alors, vu qu'on a dit qu'on... Alors, on peut pas regarder, là. Comment qu'on tourne? On peut pas rotationner? Non, on peut pas rotationner. Apparemment, on peut pas rotationner. Je peux le porter? Ah ouais. Il me manque quoi? Beaucoup de choses. On va prendre ça. Je pense qu'on en aura besoin. On va prendre, pas le bloc de pierre, mais le bol de fortune, on va le mettre là. Voilà. Hop. On ajoute. Non, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Dane. Ah oui, d'accord, c'est le feu qui donne du charbon. C'est bien ça. Ajoute. Et après, il nous faut du bois. Ah, il nous faut du bois. Il nous faut beaucoup de bois, en fait, au final. Ça, je peux pas le faire. Si j'en fais un en plus, est-ce que je peux le faire? Non, pas encore, parce que je n'ai pas de... Bon. Mais en fait, on va rester éveillé. On va devoir couper des trucs. On va devoir couper des trucs. Je pense que ça va être ça, le truc. On va devoir aller chercher aussi le... De quoi manger sur le chemin, ce serait bien. Bon, j'espère que ça vous ambiance dans votre... Dans votre dimanche. Alors, je vais peut-être augmenter la luminosité parce que je vois strictement pas grand-chose. Mais j'espère que vous voyez un peu mieux que moi. Alors là, on est du côté... Alors, on va aller traverser pour voir ce qui est... si on peut traverser du côté de la plage. Il y a des trucs... Ah! Faudrait que je regarde, on va peut-être passer du côté du... Parce qu'en fait, moi, ça j'aime bien optimiser l'espace et tout de là où j'habite. Donc j'aimerais bien rotationner les choses, si c'est possible. Et du coup, j'aimerais bien que... The Depth of Everquay. C'est la profondeur de Everquay, j'imagine. On peut pas porter ça. On peut pas passer par là, ok. Je vais changer la luminosité. 2 minutes. Ah non! Pas toi! Oh, je l'ai eu! À distance. Oh, j'en ai 4! Je vais pouvoir manger. Mais... On peut taper les pierres. Hein. Comme dans Fly. Couper les vagues de... Non, c'est pas couper les vagues. C'est couper les... Alors, vu que tu es dans un problème qui est de l'ordre du... De sauver quelqu'un, je vais te sauver, mais sache que j'espère que on va bien s'entendre. Assigne-leur des rôles via le mode de mutation. Mais c'est exactement ce que je voulais pas faire en fait. Je veux pas qu'ils tuent. Je veux que tu deviennes cuisinier. Est-ce que tu peux devenir cuisinier? Ok. Bon, tu es un gentil singe. Hein. On peut te nommer. En imitant vos actions, allez dans le mode imitation de singe. Passez votre curseur sur un singe et appuyez sur Y pour qu'il vous observe. Quittez le mode imitation de singe pour qu'il enregistre vos actions et les apprenne. Essayez de frapper un arbre pendant qu'un singe vous observe pour qu'il prenne le rôle de bûcheron. Pas changé ?
Ok, bon bah viens. Hein. De toute façon, on va manger, on a de quoi manger maintenant. Est-ce que t'as faim? Ou tu te nourris toi-même? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que je dois faire un effort à te donner à manger? Parce que c'est possible, hein. Mais du coup, il faudrait que j'aille chercher à manger maintenant. On va peut-être sauvegarder aussi. Hein. Je vois que là. Oui, ou, hic, tu me parles? C'était pas bien aussi, là. On aurait dû passer, là. Il y avait un petit peu d'eau. Hop. Ah! 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 Écoute, hein. On devait faire ça. Hein. On va continuer. Mais j'ai pas ramené de bois? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai ramené des plantes. Et en fait, je me suis revenu direct dès que j'ai trouvé de la viande. Mais je ne peux pas faire de la viande sans bois. On va les monter, vite. En fait, ce serait bien que tu apprennes à être bûcheron finalement. Qu'on survive. J'ai l'impression que j'aurais pas de vie. On va aller là. On va prendre ça. Ça, c'est y a des enchaînements, hein. Mais non. Voilà. Mange. Et après, on prend du bois. Bon, bah écoute, on va casser ça. Est-ce que tu veux nous... Est-ce que tu veux apprendre? On va imiter action du joueur. Voilà. Toi, tu imites. Ok? C'est bon? T'as appris? Prends le bois. Hein. Et après, tu continues. J'espère que tu vas pas nous raser l'île, par contre. J'aimerais bien que tu gardes quand même des trucs. Que les trucs qui nous intéressent, hein. Après, bon, les noix de coco, c'est intéressant aussi, hein. N'hésite pas. Et maintenant, tu me suis. Toi, tu suis. C'est bon, t'as appris? Est-ce que si je te donne, genre... je te donne ça? Est-ce que tu sais le faire maintenant? Non? Ok, alors attends. Bon. Apprends. Imite ma bêtise, qui est de prendre le truc et de faire bam 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 15 fois. Tu sais faire? Oui, tu sais faire maintenant. Wouah, c'est pire que moi, mais calme ta joie, wesh! Voilà, c'est bon, arrête de tuer les arbres. Pourquoi tu pars en loin? Suis-moi. Ben oui. Tu es quand même mon ami. Je vais t'appeler du nom de je sais pas. On va t'appeler Nicéphore. Nicéphore le singe. Donc on va pouvoir faire du bruit. Voilà, on ajoute. On choisit la recette. Les singes peuvent imiter vos actions et utiliser les établis pour fabriquer des recettes. Bah, c'est bien. Oui, mais pour l'instant, on est un peu en galère de bouffe. Hein, donc il va pas le faire. Ah oui, non. J'ai oublié, il faut touiller avec son marteau. T'inquiète, ta collation elle arrive. Pour l'instant, j'ai créé un monstre. Donc, deux minutes. Est-ce qu'on peut manger ça? Un kebab de viande? C'est manger un kebab? Carrément. Clairement. C'est beau. On ajoute, voilà. Et maintenant, on fait du bruit. Exploitation animale 3000. Mais c'est exactement ce que je voulais pas. Mais le problème, c'est que j'ai dû le sauver. Il était quand même en galère d'être sauvé. Donc je veux bien, hein, mais le problème c'est ça, c'est qu'il faut le sauver quoi. J'ai sauvé un animal, sauf que maintenant l'animal c'est un monstre de la nature. il est pire qu'un homme. Il détruit la faune et la flore. En plus je lui ai appris à détruire des bananes, des bananiers, enfin des bananiers, des cocotiers. Triste. Ça veut dire que je vais pouvoir survivre en mangeant des cocos. Je sais même pas si on peut manger. J'ai même pas essayé de manger les cocos, mais on va essayer de voir.
Si ça ramène de la boisson. Je peux m'asseoir? Waouh. Je peux repenser à ma vie en regardant les cadavres qui sont en face. Bon, allez, hop. On peut pas tourner, porter? Non. Comment on comporte? Non, mais là, j'ai. Je dois faire quoi pour pouvoir porter ce truc? Ah. Alors, mets-toi à côté de là. Pivoter. Voilà. Lâcher. Oui, il faut que tu apprennes à faire ça. Bon. Annule. Voilà. Une chaise. C'est toujours important pour réflexionner, pour réflexionner, pour penser à l'exploitation animale que j'ai vécu, que j'ai entrepris. Oh, on peut aller loin dans l'eau, ouais. Je pense qu'on va mourir après, mais. Pour avoir une petite réflexion sur notre vie. On va poser nos trucs ici. Parce que le charbon, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. La poignée à outils, je sais pas trop à quoi ça va servir pour l'instant. La noix de coco, on peut la manger? Non. Ah si, on peut boire. Ça, c'était bien, ça, au final. Ok. Maintenant que j'ai tout ça, il faudrait qu'on aille ouïr quelque chose. James! Mais non, je veux pas que tu... Oh! Oh! C'est pour toi les chapeaux? Alors, attends. Tu es un ouvrier comme moi. Tu acceptes cette tâche, définir la couleur. On peut choisir la couleur. Tu es un singe blanc qui n'a jamais été visible. Oh! J'ai l'impression d'être dans Monster Hunter et de pouvoir choisir mon chat. Trop bien. Voilà. Tu as un... Est-ce qu'on peut te donner un nom? Voilà. Alors, tu t'appelles Nicéphore. J'ai choisi Nibbler, Nicéphore, car je sens que Nips ne sera jamais utilisé, donc voilà. Maintenant, Nicéphore a une bonne tête. C'est un vrai ouvrier. Mais par contre, le problème, c'est que il va détruire la faune et la flore. Voilà. Le plus gros problème de Nicéphore, c'est que c'est un défenseur de vie. Mais on va essayer de voir si il pourra pas se reconvertir en cuisinier, qui au moins nous permettra de dire oh, oui, Nicéphore, c'est bien, tu permets de survivre avec nous, plutôt que de détruire. Ce serait bien, non? Est-ce qu'on peut casser ça? Non. Ça, c'est quoi? C'est un bouton? Oh, je peux porter? Bon alors, Nicéphore, tu fais la même chose. Ce serait bien de porter les coffres. Tu vois? Alors, attends. Tu vas apprendre à porter les coffres. Attends 2 minutes. Voilà. Imite l'action de porter. Tu peux faire ça ou pas? Si je lâche, tu peux? Non? Bon. Il est pas très 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 aimable, Nicéphore. Je crois qu'il a pas très 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 envie de m'aider à porter ça. Vu que maintenant on est riche d'un coffre, on va le poser ici. Lâcher, voilà. Parce que ça va être notre chez nous jusqu'à là-haut, hein, je précise. Est-ce que par hasard on a mangé? Non, toujours pas. Qu'est-ce qu'il y a, Nicéphore, tu veux me dire quoi? Ou. Faudrait sauvegarder, c'est ça que tu me dis? Poteau multi-usage à utiliser sur terre et dans l'eau. Ah, intéressant. Je peux avoir un coffre. Ça, c'est cool, un coffre. Toujours avoir un coffre. On va mettre à côté des coffres. Il apprend lentement. Ouais, bah ouais. Il est là pour ça. J'allais dire, c'est mon stagiaire, mais. Non, je ne veux pas parler comme ça. C'est pas bien. Surtout que. Voilà, il faut, faut qu'on aille chercher en plus du bois. Allez, du coup, il va falloir que tu travailles, Nicéphore. On va aller détruire la moitié de la plaine, là. Viens. Je vais te laisser abattre le dernier arbre que tu voulais laisser en vie. Et je vais récupérer tout ce qu'il y a autour. Nicéphore, tu peux. Tu peux. Tu peux, tu vois. Tu veux? Tu veux? Comment qu'on fait? Allez hop, c'est parti.
Après, j'espère qu'on pourra planter parce qu'on a vraiment détruit énormément de faune là. Tout ça pour. Bah après, c'est pour survivre, mais bon. Ouais, ça jauge. Bah oui, elle se remplit en fait quand il fait des tâches. Alors, je vais te montrer. Ah! On a fini le didacticiel du singe et on a gagné de l'argent grâce à ça. Bah, maintenant qu'il a détruit toute la faune, je me doute bien. Il est parti où le singe? Viens ici, wesh! Il est où lui? Il est vraiment en train d'abattre tout le monde là? Non mais attends. Faut rattraper Nicéphore, il est où? Nicéphore! Il est en train de détruire. Non! Il est là-haut! En train de détruire la moitié de la forêt! Nicéphore, arrête-toi! Arrête! T'as pas fait mal! Stop! Viens ici! Viens! C'est bien d'avoir essayé de d'être content et. Mais. Ne fais pas ce que je ne ferai pas, c'est-à-dire détruire la moitié de la forêt, s'il te plaît. Parce que si tu t'imagines, je te lance, et après, toi, tu es capable de vraiment de déraciner tout. C'est compliqué. Hein. À la limite, tu vois, tu peux, si tu apprends bien, est-ce que tu peux piller? Ça, c'est une bonne question. Si tu peux piller, tu peux, si, et que tu peux piller, ou ouvrir des coffres, moi, ça me va. Mais par contre, non mais... Oh là 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 là. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai des composants pour faire... oui. Faut que j'en fasse 3. Je n'ai pas assez. Est-ce que j'ai des plantes, là, quelque part? Oui. Est-ce que je peux en faire? J'en ai 2. Est-ce que je peux en faire encore un? Non. Dane! Et c'est fort, il faut que t'apprennes à devenir jardinier, je pense, aussi. Ça peut être pas mal. Alors, attends. On va ajouter ce qu'on peut. Et après, il faut qu'on sauvegarde. Hein. On est en train de mourir à petit feu, ici, dans ce monde. Il faut qu'on aille voir si on peut récupérer encore des... Comment ça s'appelle? Voilà, exactement ce que je cherchais. Oui, la nourriture, ça te manque. Mais t'inquiète, hein, regarde. D'ailleurs, Nicéphore. Regarde bien. Imite. Là, on va essayer de prendre à manger. Tu peux faire ça? Ça y est, je l'ai dressé pour être un monstre. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Je crois que tu dois dormir. Ouais, bah ouais, mais en fait, c'est surtout pour manger, en fait, là. Non, en fait, là, dormir, ça va. On va sauvegarder après, mais... Laissons Nicéphore devenir fou, là. Je pense que là... Ta santé mentale, hein, Nicéphore, oublie pas, hein. On est dans... Ah bon, arrête-toi, 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 arrête-toi. Arrête-toi! Il est vraiment en train de détruire vraiment toute la faune. Nicéphore, reviens ici. S'il te plaît. Tu peux me suivre? Merci. Je t'apprécie, Nicéphore, mais... comment te dire? Au moins, ce qui est bien, c'est que... J'aimerais bien que tu vraiment te débrouilles pour pouvoir trouver des baies et qu'on puisse manger. Mais par contre, détruire la moitié de la faune... Sérieusement? Est-ce qu'on peut pas casser les toujours pas? Du coup... Ah, si. Oh. Tu... Nicéphore, tu veux bien prendre ça, s'il te plaît? Non? On reviendra tout à l'heure. Faut qu'on finisse notre coffre. Déjà, on est pas mal. On a une table, on a un lit, on a un bol, on a un feu, et on a un coffre. Donc on est bien parti, là. Alors, oui, c'est vrai qu'il faut que je crée ça. Que j'abandonne ça. Excuse-moi. Hop. Que je prenne pas la hachette. Pas les ailes. Pas la hachette. Pas la hachette. Change le nom. Change le mot. Ok. Si tu veux se la jouer comme ça, on va se la jouer comme ça. Hop. Et que je rajoute. Et qu'ensuite, je fabrique.
Voilà. Et là, on a un coffre et je pense qu'on va pouvoir remplir notre coffre et donc se débarrasser de pas mal de choses. Ah. Alors, du coup, on n'a pas besoin de ça. Ce serait bien de le ranger. Bon, on a déjà un truc comme ça, donc ça c'est pas mal. Ça, j'aimerais bien le déplacer. Ça, on va en avoir besoin, ça on va en avoir besoin. Les pierres, on va en avoir besoin. Bon, on peut garder le reste. Par contre, on peut essayer de récupérer, voilà, tout ça là, parce que ça traîne, on sait pas pourquoi. Et les boulets de canon, c'est pareil, exactement. Ouvrir. Donc les ailes de chauve-souris. Ah, on peut les manger! Manger les ailes de chauve-souris. Bon, en même temps, ça me paraît logique aussi. Le charbon brûle à une température élevée. Peut aussi purifier l'eau. C'est intéressant. Ok. Et ça, on peut le garder. Du coup, le... Voilà. On va mettre les boulets de canon et on va aller chercher les planches. Je pense que les planches, ça peut rentrer aussi dedans. On va aller voir ce qu'on peut faire. Viens, Nicéphore. Ouais, non, on fait qu'on sauvegarde, nous. On peut pas faire autre chose, hein. Si. Un coffre moyen. Ça, ce serait bien à faire. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il nous faut de la boue. Alors, la boue, je sais pas comment qu'on fait. Ça, c'est bien, ça, on l'a fait. Améliorer votre statut avec ce trône en os. Bon. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un trône? Allez, on va se crocher. Bon, on va boire de la noix de coco. Bois de la noix de coco. C'est bien au moins. Il n'y a pas de problème de. Il a pas... Alors, il n'y a pas de problème de gastro et autres qui peut arriver avec les noix de coco. C'est bien. Alors, on va traverser. On va s'équiper parce que je sais pas si c'est la nuit. Si, c'est la nuit bientôt. Hop. Ce qui est bien, les noix de coco, on s'en débarrasse, alors qu'en fait, ça fait des bonnes calebasses, hein, quand même, les noix de coco, au final. Bon, est-ce qu'il y a des trucs ici qu'on a oubliés? Bah, peut-être le bois, là. Les pétales, on s'en fiche un peu. Il y a l'air d'avoir un chemin en haut. Ah, de la viande. Prenons de la viande. Ah, il y a des caisses. On va casser les caisses, là. On va aller voir le totem. Ah bah il y a de la boue. Ou de la thune, je sais pas trop. Je peux casser les os? Ah oui, les os, c'est bien ça. Qu'est-ce que je peux faire qui pourrait ne pas me prendre de place? Pas grand-chose. Je peux boire. Voilà. Hop, hop, hop. Ça c'est quoi? Donc là, Ah, faut lui donner à manger. Intéressant, donner à manger en sacrifice, j'imagine. À ce rythme, je vais rester coincé ici pour une éternité. Est-ce que j'ai besoin de te réveiller? Vraiment. Est-ce que j'ai... Est-ce que c'est nécessaire que je réveille des totems vivants? Je sais pas. Je sais pas. On fait un peu le tour de l'île, hein, on regarde un peu ce qu'il y a. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, j'ai appris à faire une table avant même d'apprendre à faire des rondins de bois ou des trucs comme ça, quoi. Bon, après, ne soyons pas choqués. Allez! Voilà. On peut pas les ramasser. Tu peux ramasser Nisiphore? Je vais te lancer quelque chose. Comme ça, tu vas pouvoir l'utiliser. Je vais te lancer la planche. Prends la planche. Ça peut te servir ou pas? Je te tape avec quoi là exactement? C'est moi qui me faisais taper? Récupérons tout ça. C'est fort, c'est toi qui as tapé avec la planche? Tu tapes des planches? Tu tapes avec les planches? Tu fais quelque chose comme ça? Quelque chose de très violent à ce niveau-là? Ah, quelqu'un qui parle en bas. Non, non! Vous avez l'air bien équipé, monsieur.
Bon, les pétales, on s'en fiche. On peut passer par là. Bon, le maillet, il a l'air bien. On peut bien enchaîner, j'ai l'impression. Alors, c'est pas un maillet, c'est un gourdin. Nicéphore, viens avec moi. Bon, alors du coup, on a vu le plus gros problème qui se passe dans le coin, c'est que ici, il y a des méchants. Donc, il faut que je dise ici méchant. Et que là, j'enlève tout ça, parce qu'en fait, au final, on a fini. Ah oui, je peux casser peut-être ça. Méga coup! Non. Je peux casser ça? Non. Parce que j'ai déjà essayé, je crois. Donc, du coup, box X, c'est bon. On a fini ça. Tac, 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 tac. Ah! Est-ce que tu peux apprendre à ramasser des trucs comme ça ou pas? Tu peux? Non? Ok. Parce que, tu vois, taper, c'est bien aussi de récupérer des bouts de... On va passer par là, on va voir ce qu'il y a. T'as appris, c'est bon, hein? Merci, Nicéphore, tu peux me rejoindre. On fait le tour. On va voir s'il y a des choses. Ah, il y a un coffre. On peut récupérer un coffre. On ramasse les galets. Est-ce que tu crois qu'ils vont se lever, là? Prenons le coffre. Et on s'en va. Nicéphore, tu me protèges, hein. Avec ta planche, tu donnes des coups. Je crois que je t'ai montré. Il faut que tu fasses la même chose qu'avec les pierres. Là, on embarque tous les trucs qu'il y a sur le coin. Ils ont, on dirait, une galère viking. C'est marrant. On va réessayer d'appuyer sur le bouton en passant. On peut pas, si. Ah, y a rien qui s'est déclenché. Étrange, étrange, étrange. Je sais pas si je peux le casser juste ou que je dois créer un truc pour pouvoir ouvrir les trucs. Pour l'instant, on n'a pas forcément besoin. Peut-être que si. Mais là, pour l'instant, ça va. On est bien dans notre maison qui n'est pas une maison. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de mur. Mais je me sens bien. Voilà. On va refaire un shish kebab. Voilà. Ah bah tiens, il y a les lapins qui viennent parce qu'ils aiment bien le kebab aussi. C'est bon, on annule, on prend, on mange. Ok, 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 ok. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Là, on peut faire ça, mais on n'a pas assez de charbon. Alors, j'avais vu qu'il y avait d'autres recettes. Est-ce que je peux faire... Ah bah ça, on peut faire ça. Bah oui, on peut faire. Ajouter, voilà, équiper maillet. Ah, j'aurais dû t'apprendre ça aussi, puisque tu dois être cuisinier. J'aurais dû faire les deux. Damn. Bon, tu vas me faire des smoothies, Nicéphore, donc tu vas apprendre des smoothies. Voilà, hop. Je peux refaire. Alors, attends. Nicéphore, il faut que tu apprennes. Alors, regarde. Tu rajoutes ça. On peut pas le faire. On va choisir de faire un smoothie. On peut pas le faire. Bon, je t'ai donné une banane, mais pour pas grand-chose, au final. Écoute, plus tard, hein. C'est pas grave. Du coup, on a pas mal de choses, on a des os. Est-ce que les os, ça a débloqué un truc? Non, en fait, ça, c'est... Ah, d'ailleurs, j'ai plus de maillet. Je pourrais t'apprendre à faire un maillet. Ça, c'est bien. On va apprendre à faire un maillet. On va te donner un maillet. Alors, pas un maillet, du coup, mais un... Voilà, on va prendre la corde. On va te faire... ça deux fois et ensuite on va faire une fois et deux fois et si jamais on doit se taper j'ai confiance en toi Nicéphore, ok, d'accord. Alors on va lâcher ça. Ah non, faut que je te le donne, je suis bête. Attends, lancer objet, voilà, maintenant t'es équipé comme pas possible et ça c'est bien. Du coup t'as lâché la planche, ouais, c'est bon.
Ok, du coup il nous faudrait qu'on dépose des trucs, on va peut-être déposer notre... voilà, nos ailes. Ah ben si, elles sont là les ailes. Du coup là tu peux apprendre en fait. Excusez-moi, hein, j'avais oublié que j'avais rangé des ailes. Voilà, tu prends ça. On n'a pas le maillet, on attend 2 minutes. Hein. Voilà. Et ensuite... Tu vois? Faut bien tourner avec le manche du maillet, parce qu'avec l'autre côté, c'est pas très bon, hein, on utilise pour couper pour faire du bois. Alors, t'as bien appris? T'es content? Ok. On va vite fait checker ce qu'il a appris, parce que... Alors, récolter, oui. Construire, fabriquer. Ah, il a quand même... Il est quand même... C'est quand même un bois, hein. On peut faire... Alors, je vois que... Non, tu gardes ta couleur, s'il te plaît. Mais pourquoi t'es devenu rose, maintenant? Bon, c'est pas grave. Rose, c'est bien aussi. Je sais pas pourquoi j'entends un chat, notre chat, crier. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout? Là, je suis en sélection, d'accord. Mais comment je change? Voilà. Mais ça, c'est bon. Pourquoi il s'appelle James? Moi, je veux le changer. Ah, on va changer. Tu t'appelles Nicéphore. Accepte-le. C'est ton nom. Alors attendez, parce que je comprends pas comment on peut choisir sa tâche là. Tâche actuelle. Mais en fait, ta tâche actuelle, c'est de taper des gens, pour l'instant. Je t'ai donné un maillet, tu vas venir avec nous. On va se taper. Ok. On annule ça, hein, de toute façon, c'est bon. On a les os. On a les os, mais j'ai l'impression que les os, on peut les manger. Alors, attention, on va regarder un peu. Donc là, c'est notre chemin. On n'est pas allé tout en bas, hein. Faut qu'on aille tout en bas. Ok. Ça, c'est tout? Ça, c'était tout ce qu'il y a dedans? Ok. Ça, c'est bon. Et ça, il faudrait qu'on construise ça. Est-ce que je peux le faire? Non, parce que je n'ai pas de quoi faire. Un simple chemin de galets. Il faudrait que je fasse ça. J'ai des... Non, j'ai pas de la boue. Comment qu'on fait pour récupérer la boue? Ça, je peux le faire? Non plus, j'ai pas de charnière. On va faire des murs en boîte de poil. On va voir ce que ça donne. Hop, une fois. Deux fois. Je crois que c'est juste deux. Non, je peux pas? Je peux pas le faire? Ah, j'ai pas assez de... Ok. Bon, bah écoute, viens, Nicéphore, on va aller taper des herbes. Voilà, comme ça. Couper les vagues de l'air. Alors, on veut pas des pétailles, on veut des herbes longues. Voilà. Maintenant, on peut faire ça. Une autre fois. On peut le faire plusieurs fois, du coup. Ok. Faut que je le fasse tomber. Parce que ça m'intéresse pas. Hop, hop. Et maintenant, c'était quoi que je voulais faire déjà? Ah oui, c'était ça. Des murs de bottes de poil. Bon, bah, est-ce qu'on doit délimiter vraiment? Est-ce qu'on... Voilà. Au cas où, y a des gens qui arrivent, mais bon. J'y crois moyen. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je sais pas. Oui, il faut fabriquer à chaque fois, excusez-moi. Je sais pas si c'est beau, hein. C'est plutôt moche. Et je sais pas si ça a l'air de débloquer des trucs. Mur en planche de bois, c'est peut-être mieux, hein. Mais il faut de la boue. La boue, je sais pas comment on le fait, donc on va le faire plus tard. Donc on va se dire qu'on va faire ça pendant un moment. On va se protéger de toute arrivée potentielle. Récupérer un peu de... Voilà. Parce que maintenant qu'on a vu les gobelins, on sait que... on sait qu'ils sont là.
Non, mais non! C'était pas du tout ce que je voulais faire. On peut pas automatiser ce truc là, parce que c'est un peu. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quoi? Le monde a été rapprévu. Ah! Ah, il se renaturalise tout seul. Ok, il a été réapprovisionné en bestiole ou en arbre. Mais c'est tout. C'est tout ce que je peux faire. Je peux pas rajouter des trucs. Si, voilà. Et j'ai plus rien, ok. Eh bien écoute, allons taper de l'herbe, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'on peut boire un peu de... Non. On va manger ça. Voilà. Je vois strictement rien. Peut-être changer un peu un truc, attendez. Parce que là, la lumière... Pou, 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 pou. On peut pas faire changer le... Le sombre. Le gamma, là, genre ce genre de truc-là, on peut pas le faire. Ok. Alors, je suis désolé. Je pensais que pouvoir, mais non. Oui, bah oui. Je comprends la difficulté hein, de vivre avec quelqu'un qui a du mal. Ah, mais là, il y avait des... Il y avait de quoi. Ah mince, j'ai mangé mon dernier truc. Bon. Voilà. Bon, les pétales, je sais pas trop à quoi ça sert encore. Quand ils disent réapprovisionner, c'est en grosso modo on a d'autres trucs à récupérer, j'ai l'impression. On va tout faire. Est-ce qu'il y en a un? Ah! Mais pourquoi c'est rouge maintenant d'un coup? D'un coup! Le soleil il se lève d'un coup! Intéressant. Alors du coup, peut-être abandonner ça, hein. On va prendre ça, le temps de finir notre super truc et on revient après. C'est pas comme si on mourait de faim non plus, hein. Là actuellement c'est plutôt pas mal. On va fabriquer ça. On dirait qu'il y a un espace entre le premier et le deuxième, c'est très étrange. Ah. Ah, je suis fort alors. Oh là 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 là, j'ai fait un trou dans ma propre maison. Alors attendez, hein. On va y aller. On va prendre ça quand même. Rattraper ça quand même. Merci. On aura un problème de transport tout à l'heure. Mais on peut pas faire de sac, j'ai l'impression. Pour l'instant, du moins. Peut-être qu'il faudrait que je pète le. En fait, je vais sauvegarder. Et je vais péter le coffre pour voir ce qu'il y a dedans. Mais là, je suppose qu'on peut creuser, mais je sais pas trop. On tape, hein. Ça tape, par contre. Ok, on va continuer à défoncer la faune et la flore, et surtout la faune, là. On a de la thune, hein. Je sais pas trop à quoi ça servira, mais... De rien. Des photos de l'être aimé. Mais te moque pas du fait que je casse des trucs qui servent à rien.
Dès que j'y allais, on en prend, hein, par contre. Ça, c'est cool. C'est bon, il y a une corde là par terre. On prend le maximum, on va rentrer à la maison. C'est quoi ce truc? Une corde par terre. On va y arriver. On va y arriver. Ah mais derrière la hachette, il y a un truc en fait. Bah voilà, il y avait un autre truc ici. Oh là là. Ce qui est bien, c'est qu'il le fait à la main. Hein, Moi, je sais pas comment tu fais pour faire... Faut faire sécher, non, le... Faut faire sécher la paille, hein. Enfin, la paille. Déjà, c'est pas de la paille, hein, normalement. On en fait un max, on verra après. De toute façon, il en faut deux, là, j'en fais que quatre. Là, ça fait 5. Ouais, bon, allez-y, hop. On rajoute. On prend le maillet. Fabriquer. 8, du coup il m'en reste 8 là ou 12. Ah non, il y en avait 12, ok. Donc là je rajoute ça. Ah! Excusez-moi, il y a des trucs par terre. En fait, faut que je déplace, j'imagine. Je peux pas. Mais... Voilà, c'est ça. Et maintenant, faut que je fabrique. On a privatisé la mer. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Dur, dur, dur. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut faire... Je sais pas si c'est parce qu'on est dans le tuto qu'on est obligé de faire comme ça. Bah non. Comment te dire? Non. On peut annuler. Le plan, c'est de faire un truc qui privatise la mer. Voilà, et qu'on peut passer par l'eau. Apparemment, ça se passe. On y arrive, au fur et à mesure on y arrive à privatiser cette plage. On va sauvegarder vite teuf pour sauvegarder juste juste pour casser le coffre. Si on casse le coffre, ah ok. Ah, mais c'est très bien tout ça. Attendez, attendez, attendez. On va ranger des trucs. Les os, genre. Ça, genre. Et les os, genre. Tous. Voilà. Les pétales, on n'en a pas besoin. Et après, on a besoin du reste. Tu veux faire transférer tout? Ok, super. Voilà, ça, ça peut être intéressant. Et du coup... Fasse attention à pas défoncer ma barricade. Ça serait un peu problématique. J'imagine que si je prends... j'ai fait le tour, là, déjà. C'est un peu dommage, là, le jeu. Si je fais ça... Ah, intéressant. Si je te donne, par exemple... je te lance. Voilà, prends ça. Tu vas devenir...
tu vas devenir troueur en place. Tu vas faire des trous partout. Partout où c'est nécessaire, d'accord? On va prendre ça. Hein. On va. Alors. Ouvrir. On va ranger nous. Ça, on n'en a pas besoin. Ça. On n'en a pas besoin, on a vécu dans la nuit toute notre vie. En fait, tout ce qu'on a là, on en a besoin potentiellement. On va prendre le maillet parce que je crois qu'on peut encore en faire un. Ok. Est-ce qu'on a, on avait d'autres trucs ou pas? Non. Bon bah on va les couper des. On va aller voir si la destruction de Nicéphore a été réparée. Voilà, hop. On prend tout pour faire notre petite mur. Hop, on monte, vite teuf. Ah! Ah, mais il attaque avec son. Excuse-moi, je t'ai tapé, Nicéphore. T'attaques, hein? Nicéphore, c'est fou. C'est fou ce que tu fais. Excuse-moi, je t'ai donné un petit coup de maillet en passant. Oh, ça grenaille cul. C'est beau. Et du coup, peut-être que ça. Ça se casse. Oui. Alors, imite l'action. On peut aller jusqu'à combien, hein? 100? Genre? Plus? Ouais, alors tu t'arrêtes maintenant tout de suite. Là c'était un peu trop. T'es un peu tu t'es un peu fourvoyé encore une fois Nicéphore, hein. Mais c'est bien. Bon là faudra qu'on récupère toute la bouffe, hein. On revient, on finit notre truc et on va peut-être abandonner les trucs, hein, comme ça c'est fait. Hop. Hop. Voilà. Je vais aller chercher la bouffe. Mais c'est bien, en tout cas, tu es revitalisant. Je savais pas que tu te doutais de qu'on pouvait taper les chauves-souris avec une pioche. Mais c'est bien, c'est bien. Du coup, on peut faire un truc, je crois. Alors, attends. Imite la bouffe. Regarde bien. T'ajoutes. Ah, peut-être qu'il faut que je te donne le maillet. Mince, j'ai oublié si ça. Bon, on va voir. Je crois que je peux encore faire un truc. Vous pouvez limiter les nombres d'objets qui seront fabriqués consécutivement sur une établie, une forge. Ah, c'est bien ça. En sélectionnant une recette, maintenez A appuyé pour définir le nombre d'exemplaires appuyés. Ok. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool parce que je me posais la question. Attends, est-ce que j'ai un maillet pour toi? Oui. On va poser ça. Tu vas prendre le maillet. Et tu vas apprendre. C'est nécessaire que tu apprennes. Je te lance le maillet. Ok. Maintenant, nous allons faire à manger. Avec les ailes. Voilà ça. Sauvegarder. Maintenant, tu es devenu un cuisinier, tu seras un cuisinier. Ok. Mais. Il a fallu 2 heures à Nicéphore de... pour pouvoir. Il a fallu 2 heures à Nicéphore pour pouvoir
Être un grand cuisinier, c'est ce qui est bien. Ce qui est bien. On va manger. Est-ce que tu veux que je te rajoute des trucs? Voilà. Il manque des trucs. On annule. On annule, on annule. Hop. Faut qu'on range des trucs. Le maillet, on garde. La bouffe, on garde. Ça, on peut ranger. Ça, on peut ranger. Quoique, en fait, on va te le donner, Nicéphore, tu sais faire avec ça. Hop, on va ranger ça. Charbon again. Le maillet. C'était bien, le maillet, en vrai. Le maillet, tu le gardes. Je pense que ça peut servir pour tout. Ça, c'était des planches, donc on va ranger les planches. La pioche, on en a besoin, mais du coup, toi, tu l'as déjà, donc on va ranger. Ça, c'est intéressant. Mais, ah, bah tiens, c'est celle qui manque, celle qui va finir. Donc, hop, on va ranger aussi. Voilà, donc maintenant, on peut finir notre petit travail, qui est de faire ça. Ah oui, c'est vrai que si je reste appuyé, je peux savoir combien j'en fais. Non, pas du tout, pas ici. Ah. Alors je comprends pas, on peut pas le faire là. Quand c'est à la main, on peut pas lui demander. Peut-être que quand c'est lui qui le fait. Je crois que c'est suffisant. Hein. Tu manges ou pas en fait? Je me pose la question. Est-ce que tu... T'as pas l'air de manger. Un peu comme dans Monster Hunter, ouais. Ils ont pas besoin de manger. Par contre, ils ont quand même besoin de... Ah! Le charbon. C'est quand même besoin des trucs. Après, c'est normal qu'ils aient besoin de ce qu'on fait à la main. Bon. Ah oui, là-haut. Ah mais je commence à comprendre, tu peux les laisser au même endroit pour qu'ils fassent des choses spécifiquement. Mais moi j'ai pas envie, je veux que Nicéphore il m'accompagne. Moi j'aime bien Nicéphore. Alors on a besoin de ça, ajouter, fabriquer. Bon, la survie est pas, a pas l'air d'être très compliquée, hein, on m'empêche. Hein. Je suis en train de remarquer, c'est pas un truc problématique, quoi. Après, pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Peut-être que quand on aura fini notre truc, on va aller voir les gobelins, tenter de faire quelque chose. Logiquement, je devrais faire une pause, parce que ça fait 2 heures. Peut-être que ce serait bien de faire une pause, histoire que YouTube puisse nous suivre. Dans le genre petit épisode, on a réussi à apprendre à Nicéphore à faire à manger, au lieu de tuer des gens. Ou tuer des choses. Enfin des choses. Des animaux. Enfin des animaux. De la faune et la flore. Ce qui est pas la même chose. Des êtres vivants. Ok, là pour même ça. Non mais je suis obligé de le prendre là. Je l'abandonne ici. C'est mieux. Ok.
J'ajoute et je construis. Et on a fini du coup notre mur. Voilà, voilà. Je crois qu'on va faire une pause là. Je vais prendre un truc à bouillir. On va écouter la zikmu peut-être, c'est bien la musique. On range tout. Et on va aller voir après les gobelins. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Après avoir fait dodo. Peut-être c'est qu'on va regarder un peu aussi ce qu'on peut faire en plus au niveau de... je vais ranger un peu quand même... tout ça. Il y a le chat en plus qui commence à se rebeller derrière la porte. Il faut que j'y aille. Alors, ouais, on va faire ça. Ouvrir. On va ranger tout ça. Tac, 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 tac. Galet. Ah, ça veut dire que j'en ai 100 là? Ok. Eh bien, on va garder. On va tout garder hein, parce que je pense qu'on va les utiliser. Et on va dormir. Donc, petite pause. On va s'arrêter là pendant quelques secondes, petite pause, histoire 2, je vais vous laisser, je sauvegarde et je dors, et je vais faire une pause maintenant, en appuyant sur, est-ce qu'on peut... c'est une pause? Oui, ok. Pause. Je vais mettre la pause sur l'écriture, là-haut, voilà, pause. Je vais enlever la Seficam. Et on se retrouve tout à l'heure, je vais prendre un truc à boire, à tout de suite.
On va recommencer, hein. Je pense que c'est bien, non? Alors. Du coup, on était en train de faire pas mal de choses. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Bon, du coup, la pause était un peu courte, mais c'était surtout pour le chat. Le chat avait besoin de câlin. Donc c'est bon là. Je crois que le chat il est content. Oui, il a l'air content. Ok. C'est parti. Donc du coup, on avait dit, dans le dernier truc, on avait dit qu'on fallait qu'on fasse quoi déjà. Ah oui, c'est ça. Faut qu'on vérifie ce qu'on peut faire de plus. Est-ce qu'on a des trucs à faire déjà? Avec l'os, on peut faire un trône d'os. On peut faire un établi. Bah c'est ça qu'on va faire. J'avais pas vu. On peut faire un établi. Bah on va faire ça. Alors il me faut 5 bouts de bois, 5 grandes de trucs et 4. Ok. J'avais pas vu qu'on pouvait faire ça, mais on va faire ça. 1. 2. Je sais plus si c'est 5. 3. 4, on va faire 5 hein, de toute façon. Et on va faire 5 bouts de bois aussi. Ah. Et de la corde, on peut pas non plus. C'est ça qu'il faut faire. Hein. 4, 5, 4. Bah du coup il nous faut de la corde, beaucoup de cordes surtout. Donc de l'herbe. Bien, on va couper de l'herbe. Ah, mais je vais mourir de faim. J'avais oublié, j'avais pas vu. C'est où qu'on coupe de l'herbe ici? On voit vraiment rien quand c'est la nuit. Hein. C'est incroyable cette histoire. Alors, le bout de bois, on prend. Ah, la bouffe aussi. On va manger tout de suite. La bouffe d'ailleurs. Les planches, c'est bien, mais pas tout de suite. Voilà, la corde, par contre, on en a besoin. Ah, il y a de la boue ici. Il faut du bruit. Il nous faut du bois. Bon, écoute, je vais te donner de quoi faire. Hein. Écoute, hop. Tiens, prends. Et maintenant, imite-moi. On va couper du bois. Ça, tu sais faire ça. Allez, on continue. Ah, il faut de la corde. Il faut que je... En fait, là, je suis en train de prendre trop de trucs pour pas grand-chose. Ah, t'as plus de... Ah, ok, attends 2 minutes. Je mange. Voilà. Je prends ça. On a surtout besoin de ça. C'est pas grave, Nicéphore, si t'as rien sous la main. Besoin surtout de ça pour faire de la corde. On va construire de la corde. Alors là, je suis censé appuyer sur A, je ne sais pas à quel moment. Mais pourquoi je te donne de la... Quoi? Non. Prendre. Tu me suis, hein. Je vais te donner ça. Donc là, on en a 5-5. Il nous faut du bout de bois, du coup. On va faire des bouts de bois. Est-ce qu'on peut faire des bouts de bois maintenant? Ah oui. Ah, malheureusement, ça utilise aussi de la corde. Abandonnons ça ici. Prenons les bouts de bois. On a besoin des bouts de bois. Donc là, il y en a deux. Dane. On va devoir revenir. Il y a trop de choses dans mes affaires. En fait, les trucs de palmier, je suis pas sûr que j'en ai besoin. Là, les feuilles de palmier. Oh, il y a une petite... Voilà, ni vu ni connu. Hein.
Et après, on va essayer de faire. Bon, on va aller voir ce qu'il y a dans les cartes plus tard. On va d'abord faire. Faire l'établi, parce que j'avais pas vu qu'on pouvait faire l'établi. Hop, on range ça, parce qu'en vrai, on n'a pas besoin. Ça, on peut peut-être le ranger aussi tout de suite. On n'a pas forcément besoin. On a besoin de ça, ça, ça. Au cas où. Ça pour manger, oui. Et ça, on en a besoin aussi. Bon, allez, à ciao. Du coup, il faut qu'on aille again couper des trucs. Donc, on va te donner. Voilà. Et je vais te donner exactement celui-ci. Comme ça, tu vas pouvoir me suivre. Et on va couper là-haut. Ah, mais j'ai pas tout pris en bas. Bon, on va aller tout prendre d'en bas, d'accord? Ici, il y a pas mal de trucs pour faire de la corde. Attends. Imite-moi. Voilà. T'es prêt? Ça, tu sais faire. Il est fou, hein, Nicéphore. Enfin, je t'ai appris. C'est moi qui suis fou. C'est moi qui t'ai appris à faire ça, mais c'est pas bien, hein. T'abuses trop, hein. Bon, après, ça fait plaisir, mais. Faut que ramasser. Heureusement que la nature se revitalise tout seul. Ah, Nicéphore. Bon, arrête-toi. Tu viens avec moi, hein. On est d'accord. Et voilà, on a tout rempli. Il faut des bouts de bois après, hein. Faut qu'on aille couper du bois. J'ai de la place là pour du bois, j'ai pas l'impression. Ah oui, c'est à cause des pétales. Bon, on va faire un max de cordes. Ça m'embête un peu que ça prenne à chaque fois un temps incroyable pour pouvoir juste faire des cordes. On peut pas multiplier le truc, on peut pas se déplacer en même temps, j'ai l'impression. Et le A là, il n'a pas l'air de fonctionner, donc c'est. Enfin, je sais pas. Peut-être que je fais mal un truc, faut peut-être que j'appuie sur LR ou quelque chose comme ça pour pouvoir bien préciser. On va le déposer. Et on peut rien déposer parce qu'on n'a plus de place. Donc on va déposer ici tout ça. Ça c'est bien déjà, il y en a 88 là, au moins on est sûr de pas ramasser. Ah mais je vais déposer les pétales aussi. On va tout prendre ici, comme ça ça va ranger un peu ici. Voilà. On va déposer ça. Et c'est parti. Tu viens Nicéphore, on va couper d'autres choses. Cette fois-ci, nous allons couper du bout de bois. Parce qu'on a besoin de bout de bois maintenant. Là, il y a du bois. On va prendre le bois déjà qu'on a laissé traîner. Voilà, on a deux. Je peux peut-être faire un truc avec. Non, il en manque. Ah, c'est trois bouts de bois. Mais alors, du coup, regarde bien Nicéphore. Hein. Tu imites bien. Voilà. Là, il y a une forêt. Tu peux t'amuser si tu veux. On se dépouille, hein. Travailleur. Waouh, on a tué la forêt, choqué. Bon, je pense qu'on va s'arrêter. Voilà, c'est bien, là. Alors, attends, d'abord, je te dis, hein, si ça se trouve, on va pas s'arrêter tout de suite. Il en faut 4. Ou 5, je sais plus, on va faire 5. Je crois que c'est pas du tout ça que je voulais faire. Ok, c'est bien ce que je pensais. Ok, ça c'est bon. Il y a plein de trucs à ramasser ici. Faut qu'on revienne, hein. Demain. T'as
Attends, il y a des planches, on va les ramasser maintenant. Comme ça, c'est fait. Et après, il y aura la boue à ramasser. Je pense que l'établi va nous servir à faire pas mal de trucs, c'est bien. Et après, on va aller voir les gobelins, comme on avait dit. Je me demande si je demande à Nicéphore de me regarder, est-ce qu'il va les attaquer aussi, hein. Parce que je pense que oui. Bon alors, du coup, maintenant, il nous faut l'établi. L'établi, c'est là, je crois, quelque part ici. Établi. Alors, du coup, nous, on a besoin d'un établi à côté des... Oui, comme ça. Soyons réglo. Alors, on ajoute. On s'équipe du maillet. D'ailleurs, si tu veux apprendre, c'est maintenant. Et du coup, je te lance l'objet. Voilà, bam. Est-ce que tu apprends à fabriquer les choses? Ou c'est que moi qui peux faire? Ouais, c'est bien ce que je pensais, tu peux pas. Du coup, je vais te donner le... ça. Voilà, on va aller voir les gobelins d'ici peu, donc on va regarder d'abord ce qu'on peut faire avec la recette. Ah, des nouveaux trucs! On peut faire un arc, des flèches. Super. Il faut de la boue pour faire l'arc. On peut faire ça, hein, c'est trop bien. Gourdin en os, mais je veux faire ça, on peut faire ça maintenant? Voilà, donc ça c'est bon. On va prendre les trucs ici. De l'os. Et ça. S'équiper du maillet. Fabriquer. C'est pas fini? Oh. Bon, hop. Orange. Ça. Ça. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un truc en plus. Le maillet, on en aura besoin. Ça, on en a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. Les cordes, c'est limite qu'on en a besoin. Tiens, on va prendre ça. Et on va prendre ça. On va poser ça. Ça a l'air bien. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on peut faire à manger? Oui, mais est-ce qu'on peut... Non, en fait, je crois. Tout simplement, on va prendre le gourdin, déjà. Ok, on va sauvegarder, dormir. Et on va aller se taper. On va aller chercher à manger aussi, parce qu'il faut aller trouver sur le chemin. Allez, on va aller voir les... Enfin, peut-être qu'on va pas se taper, hein. C'est trop, on va discuter avec eux. Allez, viens. Viens, le singe. On va voir comment ça se passe avec les... Maintenant qu'on est équipé comme pas possible. Ah oui, c'est vrai qu'il faut prendre... On va prendre la boue. Et il y avait de la bouffe ici. Et on va prendre de la bouffe. Ça, on va prendre. Pique, pique. Et voilà, 99, c'est bien. Ça, on mange. Ça, il y a toujours rien dedans. Ah si. Bah, c'est très bien. On peut taper ça ou pas? Non. Il y a quelque chose dans cette personne? Non. Ça me charge à quelque chose, ça? Bannière sanglier. D'accord. Non mais t'es sérieux? Nicéphore, t'es sérieux? Wouah, mais il a décidé de chasser en... Ok, bah écoute, c'est très bien. Écoute, reviens quand tu veux, hein, Nicéphore. Moi, je m'enfuis. Un peu agressif, Nicéphore, hein, quand il y a un gourmand. C'est pas de notre faute, messieurs les dieux de... C'est bon? Tu vas bien, Nicéphore? Aïe, aïe, aïe. Non mais c'est bon, hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Tu
viens quand tu veux, Niceflor. C'est toi qui a déclenché la meute, hein, mais on a dû abattre un animal à cause de toi. J'ai envie de te dire, c'est pas très cool. Ok, donc on va abandonner ça, parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va prendre les touffes de poils, je pense que ça va faire quelque chose. On va prendre la... Faut qu'on prenne la viande. Le truc, c'est que on va abandonner ça aussi. Hop. On va ramasser ce bout de viande là. On a pas mal d'os. J'espère qu'on va pouvoir se faire des armures en os. Mais c'est fort, un peu agressif hein, quand même. Hein. Je trouve, non? Tu le trouves pas, toi? Hein, faudrait qu'on se pose des vraies questions. Hein. Entre nous deux, qu'on se regarde les uns dans les yeux. Les uns dans les yeux. Les yeux dans les yeux, monsieur Bourdin. Compliqué, hein. Compliqué, un peu agressif, et je pensais pas qu'il allait agresser les animaux célestes, là. Enfin, je pense qu'il faut voir que... On va déposer des trucs, on va sans doute faire un coffre, parce que là, le coffre, il est un peu blindé. On va faire un coffre. Comment qu'on fait le coffre? On va faire ce coffre-là, la charnière un peu. Hop, deuxième coffre. Qu'est-ce qui nous manque? Beaucoup de choses. On va faire. Il manque plein de choses en fait. Eh bien, on va abandonner ça ici. On va abandonner ça ici. Et ça ici. Et ça, on peut le mettre quelque part. Genre, tiens, je veux mettre mon truc ici. Bon, non, apparemment. Hop. Et on va aller chercher le reste. Parce que j'ai perdu pas mal de vie au final, rien qu'avec les animaux là. Donc du coup, j'ai un peu peur des gobelins. Parce que logiquement, ils devraient être un peu moins agressifs, les animaux. Et Nicéphore, en tout cas, il meurt pas. On va récupérer tout ça là. Et du coup, bah, maintenant que tu hein, on est là pour tabasser du truc, hein. Et tape pas les animaux, s'il te plaît, Nicéphore. Un peu traumatisé par mon singe. Le singe qui m'accompagne plutôt. Non, non, non! Tu me suis. C'est bon. Non! Oh là 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 là, mais. Faut pas lui donner un maillet à lui, hein. Tu peux me suivre? En plus, si c'est pour te faire damer le pion par un être des ténèbres là. Viens ici, s'il te plaît, Nicéphore. Bon, tu me rejoins quand tu veux. Hein. Écoute. Chacun sa vie. Hein. Ah, il me retrouve, c'est bien ce que je pensais. Ok. Bizarre. Bizarre quand même. Il y a un sang chelou qui me suit. Hein. Très agressif. Alors non, je ne suis pas très agressif, monsieur le stream closer. Arnaud. Eh, je sais pas articuler ou quoi? Stream closed captionneur bah, se fout de moi. Alors fou de moi, ça par contre, il a traduit bizarre. Hein. Mais ok. Ok, alors on peut. Voilà. C'est bon là? Non, il manque encore des trucs, il manque ça. Deux. Ok, on va abandonner ça et ça. Le maillet, comme d'habitude. Et on va pouvoir ranger des trucs. Genre les os. Ok.
Alors, bam, 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 on a besoin de tout. Et la boue, ouvrir. Ok. Ça, on peut tout ranger, hein, je pense. Les os, on peut tout ranger. Ça, on peut tout ranger, je pense. On n'a pas besoin constamment. Ça aussi, on va ranger parce qu'on va devoir se battre. Je pense que ça va être ça, hein, la suite. On va regarder ce qu'on peut faire avec l'établi, mais d'abord, on va faire à manger. Je pense que ça va être ça. Ouvrir. On range ça. On range ça. On range ça. Bah non, parce que je vais m'en faire manger. Donc ça, je prends. Ça, je range. Voilà. Et est-ce que j'ai de la bouffe ici? Oui, je prends ça. Ça peut être utilisé pour de la bouffe, ça aussi. Ok. Donc du coup. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas de gourdin. Non, j'ai plus rien. Ah non, ils sont là. J'ai rien dit. On allume la lumière. Choisir la recette. Pas encore. Un ragoût satisfaisant coupe la faim et soigne moyennement. Ok. Soigne une quantité moyenne de santé et de faim. Soigne moyennement. Soigne moyennement. Il n'y a pas un truc de soin grandement là? Moyennement. J'ai pas de viande. J'ai pas de fruits de toute façon. On va faire ça. Hein. Le maillet. Alors j'évite comme ça parce que la webcam est en face, hein, bien entendu, vu que je vais essayer de faire quand même ma technique du... Ok, donc ça va, on va manger. Ouh, bah c'est mon, c'est monté vite, hein, dis donc. Je pensais qu'on allait avoir un peu plus de mal, mais non. Et on peut se faire que de bouffe. Alors c'est compliqué. Ce serait bien d'avoir une protection. Ou un chapeau au moins, comme notre super singe. Bon, on a eu ça. Voilà. Ça. On va ranger ça, du coup. Ça. Et ça. On va regarder ce qu'on peut faire ici. Alors, il y a la hache. C'est pas mal ça. Je peux ajouter ça. Je crois que j'ai vu ici des cordes. Je vais prendre ça. Et je crois que j'ai vu ici du bois. Donc ça suffit, hein. C'est un bois. Ah non, c'est le manche. Donc il me faut aussi des pierres. Voilà, on va prendre ça. Ça. Se faire le manche. L'ajouter. Fabriquer. Parce que ça, je pense que ça va nous servir. Soit ça va aller plus vite, soit ça va au moins ça va être une arme bien efficace. Avec le maillet là. Enfin, le maillet, le gourdin en os. Voilà. En plus, on a débloqué, je pense, un peu plus de fer, donc ça peut être cool. Botte construction, on range, et tout le reste, ça peut nous servir au cas où. On va regarder quand même ce qu'on peut faire d'autre. Ok. L'appel. Donc, l'appel, c'est bien. On va pouvoir faire, du coup. Alors, l'appel, il me faut deux trucs, et donc, du coup, il faut que je reprenne ce que j'ai fait. Alors, il me faut ça. Il me faut ça. Et il me faut la corde, je crois. La corde. Alors, on va prendre ça. Et du coup, il me faut le poignet d'outils. Choisir. On va faire la pelle. Je pense qu'on va pouvoir récupérer de la gadoue. Enfin, de la boue. Juste à côté. Ah mince, il faut que je fasse ça. Je le fais, voilà. Je l'ajoute. Qu'est-ce qu'il y a? Je le fabrique. Et ça, on va pouvoir le laisser, je pense, aussi dans le coffre. La gadoue pourra nous servir à faire des murs, si jamais on doit se protéger en plus après notre attaque. Ça peut nous servir. On abandonne la recette, on va ranger. Même si on risque de réouvrir d'ici peu, parce que je vais re-regarder ce qu'on peut faire. Hop. Décoration murale, intéressant. Ouais, en fait, ça serait pas mal aussi à faire. Mais il faut de la gadoue. Donc on va d'abord chercher de la gadoue. Je vois pas trop ce qu'il y a, mais... Ça, c'est quoi, ça? Ah oui, c'est la décoration murale. Eh bien, écoute, je pense qu'on est bien. On va aller regarder ce qu'on peut... Alors, est-ce que si je creuse ici... Je peux pas. Ok. Si je creuse là... C'est de la gadoue? C'est du sable. Intéressant.
Donc là, par exemple, si je prends ici. C'est de la boue. Ok, donc ce serait ici qu'il faudrait que je prenne. Ok. Bon, là, on en a 5, ça devrait être bon, hein. Ok. On va ranger notre pelle. On va voir si on peut donner à notre singe agressif. Non, parce qu'en fait, on veut de la gadoue, nous. Voilà. Par contre, à notre singe agressif, on va lui donner du coup le l'arc. On va essayer de faire l'arc. Deux. Est-ce qu'on a de quoi faire non. Si, si, on a de quoi faire. Ça, de la corde. Ok. Maintenant qu'on a de la corde, on devrait pouvoir le faire. On en a besoin de deux. Ok. Et je crois que pour le bout de bois, il en faut deux aussi, des cordes. Non, un seul. Et par contre, il me faut du bois. Et on va faire ça. Hop. Et maintenant, si je lui dis, je veux faire ça, j'ajoute, je fais un peu de maillet. Quoi? Ils peuvent... Quoi? Sérieux? Bah, du coup, fallait le dire. Ah, merci, tu me l'as dit. Ah oui, j'ai faim, ça me donne faim. Mais t'inquiète, hein, on a du shish kebab. Comme on dit. Comment on dit? Faut qu'il travaille, notre... Alors, du coup, on va échanger l'objet, hein. Échange. C'est bon là. Ça on n'en a pas besoin. 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 Ok. Du coup, on va récupérer ça. On va le ranger ici. Je crois que c'est ici les charbons. Voilà. Et ensuite, on va manger notre shish kebab. Sauvegarder again. C'est tout? Faire dodo. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai faim quand je sors. Bon, attends 2 minutes. Hop. Je t'ai pas donné de trucs, hein, je sais. Peut-être que je devrais te donner un gourdin en. J'ai pas de bouffe, hein. J'ai pas de bouffe. Bon, tiens. Hop, on va aller chercher de la bouffe. Viens avec moi. Je crois qu'en haut il devrait y avoir de la bouffe. J'ai oublié que c'était une hécatombe de pierre ici. Ok. On a de la bouffe. C'est pas suffisant. C'est la nuit là bientôt ou c'est. Oui, c'est la nuit. Faudrait que je redorme en fait. Le problème c'est que si je redors, je vais encore avoir faim. Bon. Il s'est fort un peu trop agressif hein, finalement. Le shish kebab c'était bien, mais c'est pas suffisant. Je comprends pas du coup comment. Bah, tu veux que je te donne. Oui, je sais que tu veux que je te donne. Mais je ferai. Si je te donne de la bouffe, tu vas me hanter après. Je connais vos histoires. Hein. Les totems qui parlent. Ça, c'est. Ça, y a des myrtilles dessus là ou pas? Non. Je vois plus rien. Ça y est. Je vois plus rien, je vois un gros reflet maintenant. Bon, on aura récupéré, je pense qu'il faudrait peut-être suivre une carte trésor à un moment. Après les gobelins, je pense. Ou à moins que les gobelins soient déjà une carte trésor en soi. On va les récupérer les.
Les photos. C'est peut-être ça, c'est peut-être déjà une carte au trésor, les photos des. Voilà. Les photos ici. On n'a pas là. Et le troisième, il en a ou pas? Non. Je peux pas couper. Est-ce que je peux finir mon dernier truc ici? Oui. Voilà, fini, moi, ça se fait. Il n'y a rien dedans. On peut pas casser. Et y a plus, j'ai plus de maillet après. Ah ouais, d'accord. Okay. Si j'ai le maillet d'os. Eh bien, c'est cool. J'aimerais bien voir si on peut avoir des protections quand même avant. Le soleil, il monte vite, hein, par contre. Ça, c'est foufou. Ok, donc du coup. Est-ce que j'ai une recette avec deux ailes de. Juste deux ailes, non? Non, non. Pétale, 3. Je pense que je devrais faire plus de recettes. Ah, intéressant. Pétale, bois. Ah ouais, mais le bois est compliqué à chaque fois à faire. C'est compliqué hein, de faire des flèches. Flèche de base à associer avec un arc. Arme moyenne pour piquer et... Ah, c'est une lance. Intéressant. Peut-être qu'on va faire ça. Hein. Peut-être faire ça. On va prendre ça, du coup. Je crois que c'est ça qu'il faut faire pour faire le bois. C'est tout? Je suis très content. Je suis très content. Non. J'ai plus d'herbe. J'ai plus d'herbe. Pourquoi on a coupé de l'herbe? Ah non, elle est là. Ok. On va y arriver au bout d'un moment à bien s'équiper pour pouvoir partir en cas où. En plus, on n'a pas de bouffe. Hein. C'est incroyable cette histoire. Écoute, on va. Si tu sais faire. Voilà. Tu vas. Je vais te donner la possibilité de d'imiter. En te donnant. Ça. Et du coup, regarde bien. Hein. Ah. Attends, hein, 2 minutes. Faut qu'on fasse quelque chose. Ah. Non, attends. Faut qu'il apprenne quand même un moment. Voilà, regarde bien. Peux apprendre à faire ça ou pas? Bon, c'est pas grave. Donc, je vais te donner ça. Et est-ce que tu peux prendre ça aussi en même temps? Non? Peut-être? T'as les deux? Non, t'as pas les deux. Écoute, tu vas garder ça en échange. Voilà. Donc du coup, moi, je peux utiliser là, les flèches normales avec l'arc. Non? Je peux mourir. C'est bien des flèches. Ah, faut que je prépare le truc. Je peux récupérer ou pas? Et du coup, je te donne.
Voilà. Ne sois pas trop agressif avec ça, s'il te plaît. Mais il me faut de la bouffe en fait. Comment je peux avoir autant de problèmes de bouffe? Ah, on peut faire ça déjà. Ok. J'ai un problème de bouffe. Eh ben écoute, tu veux imiter quelque chose? On va tuer des lapins? Regarde bien comment ça se passe. Quoi, j'ai cassé? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est dur, hein? J'y arriverai pas. Il va trop vite. Bah écoute, rassemblons-nous. Rassemblons-nous. C'est pas grave. Viens avec moi. On va aller chasser, on va aller chasser les grosses bestioles parce qu'on a plus de vie en fait. Alors, je pense qu'on peut les chasser, mais alors du coup, il faudrait que je lui montre avec. Ah, mais j'ai de quoi manger en fait là. Vaguement. C'est vrai que j'ai pas vidé cela? Non. Ah, il y a des trucs ici. On va abandonner les boulettes canon, hein, parce que. J'ai l'impression qu'on n'avance pas là sur l'histoire de notre gobeline folie là. On n'a pas de vie, c'est compliqué. Faut qu'on mange d'abord. Bon, là si on est bien, on va y aller. Si on est bien jusqu'à la fin là. De nuit, ça devrait le faire en plus, c'est pas grave. Faut juste éviter que l'autre il agresse tout le monde. Mais sinon, ça devrait le faire. Bon, les bouts de canon, on s'en fiche. Allez, hop. La vie. Et c'est parti. Oui, non, mais t'inquiète, on va le faire. Tiens, encore une. Mais faudrait qu'on aille regarder les cartes hein, au trésor. Hein. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire. On passe par là. Pour pouvoir les prendre à revers. Est-ce qu'il y a des piquiers, par exemple des lances dans le coin? On prend ça, c'est pas mal. Bon, tout à l'heure. Attends, je te donne un truc aussi. Voilà. A tout de suite. Ouh là là, j'ai l'impression que c'est un camp. C'est un camp. Ça fait des jours qu'on n'a pas brûlé quelqu'un. C'est un camp. Oui, c'est un camp. C'est un camp. Comment expliquer ça? C'est compliqué là. C'est un donjon, d'accord, ok. Donc faudrait taper tout le monde. J'imagine. Il faut l'appel, non? Il faut l'appel ici. J'ai pas l'appel. Et du coup, là, c'est le donjon. Donc, on enlève ça. Non! Oh, purée. Oui, mais la tâche, c'est de tuer des gens. Hein. Pas trop quoi penser hein, de Nicéphore. Ah mais j'ai une pelle en fait. Attends. Attends, excuse-moi, je voulais juste ouvrir. Ouais, je vais te calmer tout de suite, hein. Je suis pas ton pote. Oh là 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 là, la vie qui s'en va, la vie qui s'en va.
Ah, santé faible, oulala. Ok, merci didacticelle de singe. Alors attends. On va prendre de la viande, parce qu'on a besoin de la viande. Il nous faut... on va laisser ça ici. Il nous faut toute la viande en fait, parce que là on est en galère de bouffe. Et on va essayer de porter le coffre. Ah pardon, excusez-moi. On sort le coffre ou comment ça se passe? Ça s'est revitalisé, c'est ça? Ah, fallait juste être au bon endroit. Ok. Allez, on se barre. Nous aussi, il faut qu'on aille se revitaliser. Bon, du coup, on a fait une carte en passant sans le savoir. On a évité le donjon. Du coup, il faudrait qu'on aille faire le donjon. Si on peut juste se prendre des armures, parce que je vois que ma vie part très très rapidement. J'ai pas l'impression en plus d'avoir beaucoup beaucoup de bouffe. Hein. Et par contre, Nice Fort, c'est cool. T'as une flèche et tu peux en sortir 15. On va peut-être enlever aussi les petites marques de repère que je me suis mis ici. Compliqué. Bah oui, bien sûr. Mais t'as pas... j'ai l'impression que t'as pas envie non plus de faire trop de l'établi ni c'est fort, tu sais. T'as bien envie de taper des gens, par contre. Je pense que ni c'est fort, t'es un peu bourrin. Hop. On lâche ici. Du coup, on n'a pas de vie. Et ça, c'est toujours agréable. On choisit une recette, vite teuf. Est-ce qu'on peut faire ça? Genre. Non. Est-ce que j'ai de la viande là? Non. Est-ce que j'ai de la viande ici? Non. Je crois qu'on l'a un peu. Oui, bah oui, hein. Écoute. C'est pas comme si c'est toi qui avais commencé le combat, hein. Mais y a pas assez de 1, c'est pas possible. Pareil. De 1. On peut pas faire autre chose que de manger comme ça en plus. C'est grave. Là ça devient compliqué là, à manger. Hein. Ouh là là. Alors, hop. Hop. Ça c'est les pétales, on s'en fiche. Hop. Bon, on va te casser toi, hein, parce que je sais pas ce qu'il y a dans ton truc. Mais... en fait, ça serait bien que tu restes ici et que tu apprennes à... c'est quoi ça? Gourdin en métal. Intéressant. Du métal. Super. Bah écoute, on a un gourdin en métal maintenant. En fait, ça serait bien qu'on fasse les flèches pour nous. Pour plein de raisons. On va essayer de les faire. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si on fait les flèches, je pense qu'il va apprendre à... ça va être plus simple pour nous d'apprendre à... à faire... comment ça s'appelle? À faire... à apprendre à faire de l'arc à Nicéphore. Et il pourra rester ici à nous récupérer toutes les viandes, potentiellement. Oui, bah ouais, je me doute qu'il est temps de manger, hein. Écoute... je me doute bien. On va essayer de faire quelque chose pour ça. Là, ça devient un peu complexe dans le sens. Oui, mais le problème, c'est qu'il veut pas.
C'est long, c'est vrai. C'est archi long. Ok. Maintenant, il faudrait qu'on abandonne et qu'on fasse... Est-ce qu'on peut faire ça? Deux, trois, quatre. Je vais abandonner la boue parce que je crois qu'on n'en a pas besoin. Et un, deux, trois. Ok, il en manque un. J'ai mal calculé, mais on est bien. Ah, mais j'ai... j'ai pas 4 de métal, comment te dire? J'en avais un. On va faire ça, plus. Et ça, je peux le faire avec les pétales que j'ai là. 2, 3, 4. Voilà. Équipe le maillet. Du coup, on va t'apprendre à chasser, parce que le truc, c'est que là, on a besoin de bouffe. Et le truc, c'est que si tu n'apprends pas à chasser, moi, je vais galérer à aller chercher constamment des myrtilles. Donc on va t'apprendre à chasser. Voilà. Et je vais chercher des myrtilles d'abord quand même parce que... Je crois que là-haut il y avait pas mal de myrtilles. Voilà. Les myrtilles c'est où? C'est pas là. Je crois qu'il y en a là-haut. Eh bien non. Alors c'est pas, c'est renouvelé façon de parler. Hein. C'est où les midi, c'est où les myrtilles, monsieur? Il nous faut manger. Je sais pas si on peut faire des diagonales avec l'arc. On va le faire ça après, dès que j'aurai mangé. Ok, alors essayons de chasser ces trucs. Oh, je l'ai eu, du premier coup. Magique. Alors, est-ce que tu as vu comment ça se passe? Te fourvoies pas, hein. Donc, maintenant il faut que tu apprennes. Regarde bien comment ça se passe. Il est parti où? Et il y en a un là. Presque. Presque. Ça tire de n'importe où. Voilà. T'as pris? Tu sais comment faire? C'est bon? Normalement, t'es équipé. Tu l'as appris. C'est bon ou pas? Là, t'as tout normalement. Tu restes ici, tu chasses. Dès que t'en vois un, c'est bon. Ok? T'as pas les ressources, mais t'inquiète, hein, tu vas en trouver des ressources. Nous, on va manger. Hein. Choisir recette. Bam. Et j'ajoute. Et je crois qu'il y en a d'autres là. Pour ouvrir. Voilà. Et vite avant qu'on aille. Si Nicéphore tu chasses, moi ça me va. Si tu restes ici, je suis content. Pour aller chercher tous les trucs qu'on a fait. Hein. J'ai l'impression qu'il est en train de tuer la moitié du monde. Je sais pas si c'est bien ou mal. Je pense que c'est mal. Mais on pouvait pas faire autrement là, sur le coup. Du coup, tu tues du monde ou pas? Comment ça se passe de ton côté? Logiquement, tu peux. Hein. Do you know what I mean? Est-ce que tu peux? Est-ce que t'es capable de faire ça?
Tu vois, faut le faire plusieurs fois. Après, tu prends tout. Tu peux pas? Tu peux? Parce que là, on vient de ratisser. Hein. Il en faut 4, je crois, pour la bouffe, c'est ça? Tue-le, Nicéphore, qu'est-ce que t'attends? Je crois qu'il était plus agressif. Tout à l'heure, quand il était en mode suivi, regarde bien ce qui se passe. Lui là, en fait, les grosses bestioles ça va, mais alors par contre, les lapins il veut pas les faire. T'es pas en mode chasse hein, en mode lapin. Bon, j'imagine que c'est normal. J'ai d'autres non, on va ranger l'étouffe de poil, le gourdin en métal on va le garder, le gourdin en os peut-être pas, quoique si au bout d'un moment ouais il est bientôt fini en plus, donc pourquoi pas. La pelle elle était bien pour lui ouvrir un truc. La bouffe, faut qu'on la range ici. Waouh! Ah, elles sont fortes les. Eh ben écoute, c'est de la viande, hein, on rajoute. Hein. Si on doit aller chasser du. Moi, ça me dérange pas en soi. Hein. Attends, mais je crois qu'à 3, c'est bon. On peut faire quelque chose avec les trois. Par contre, pas avec ça. Oups. Oups. Oh là là, mon dieu, pour rien faire. Bon, on va sauvegarder, déjà c'est pas mal. Ah tiens, il y en a un qui arrive. Tue-le! Il y en a deux, il y en a deux. Génial. Génial. Du coup, on va manger ça en sortant. On va en faire deux. On va faire avec les ailes. Hein. Je sais pas si on va pouvoir le faire. Donc, annule, choisir les ailes. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Hop. On sait ça. Et elles sont là? Non, elles sont pas là du tout. C'est là. Hop. Les fleurs de palmier. Et on fabrique. Faut qu'on aille retrouver l'endroit où on s'est fait bombe au clat, là. Bon, ouais. Allez, on va dormir. On prend tout. On range tout. On peut pas ranger ça, on peut pas ranger ça. Ok, ici. Gourdin en métal on garde, ça on peut le mettre là, ça on peut le mettre là. La pelle on en a besoin, et la bouffe on la prend. Voilà, et on va faire d'autres. Et on y va. On va faire un peu le tour. On va essayer de faire le tour de la côte. Essayer d'éviter de charger trop... Ah bah tiens, il y en a un là, ok. Hop, de trop charger notre voilà notre dos. Essayer de vérifier si on peut. Alors Nicéphore t'attaque toujours pas. Hein. Je remarque que tu veux pas attaquer trop les lapins. Hein. Un peu lapin freiné. Tiens, on va prendre un peu de ça là. On va laisser le bout de bois ici. Et on revient en mode. Ah tiens, il y a un truc ici. Bam, bam, bam. Voilà. Au cas où.
J'ai pas encore, on n'a pas encore repéré beaucoup de trucs à miner. J'ai pas l'impression que ce soit un truc très sympa non plus à faire. On va voir. Hein. On va traverser ici. On va essayer de tout récupérer parce qu'on a beaucoup de choses à récupérer. Les touffes de poils, la boue, les os, peut-être pas. On a déjà plus rien là? Plus de place? Non. Bon, on laisse tout. Excusez-moi, hein, mais on va tout laisser. Je crois que. On n'a pas ouvert non plus le. Pourquoi tu. Voilà. Et on revient avec ça. Ah, mais du coup, on avait pris. Ah oui, mais il y avait beaucoup de choses en fait. On n'avait pas pris ça? Pourquoi? Pourquoi il y a ça encore? Ça s'est renouvelé en mode. Bon, bah écoute. S'il te plaît, Nice fort, attaque personne, s'il te plaît. Je les entends en plus. Viens, 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 viens. On se barre. Je te vois déjà. Hein. Voilà. Déjà, si on est un peu pacifique là sur le coup, ça serait bien. Si c'est possible, ni c'est fort, c'est bien. Hop, on va creuser. Non, c'est pas ça à creuser. C'est pas ça à creuser non plus. On va mettre de côté déjà ça, les deux. Poser ça ici. Et on va voir ce qu'on peut faire là-bas. Ah, ils sont là. Laissez fort, s'il te plaît, fais rien. Il y a beaucoup de choses ici. Hein. Sois pas agressif, s'il te plaît. Oh mon dieu. Bon, vas-y, sois agressif. Hein. Si tu le finis, je suis content. Si t'as gagné un niveau, bah c'est très bien. Écoute. Tu l'as tué? Non, t'as rien tué du tout. Ni c'est fort, c'est. T'es violent un peu. Et si t'arrives à occuper pendant que moi je pique les trucs, moi ça me va. Donc ceux avec les cornes, ils sont agressifs. Ceux qui sont sans cornes, ils ne sont pas agressifs, j'ai l'impression. Hop. Bon bah ça va. On repart, hein, vite fait. Hein. On va voir ce qu'il y a. Wow, tu te calmes tout de suite. Ouah, mais tu sais pas viser, wesh. Qu'est-ce qui se passe? Il sait fort, t'as plus rien? Ah oui, t'as plus de flèches. C'est intéressant. Il sait fort, tu veux un maillet? Ah, tape-le. Tape-le! Avec ta batte en métal. Ouah, t'es dur, hein. T'es dur, ni c'est fort, c'est violent ce que tu fais. On va tout prendre, hein. Hop. Je pense qu'on va essayer de faire le donjon. Hein. Là, j'ai fini tout ce que j'avais à manger, mais on va aller chasser vite teuf. Les lois de la physique ne s'appliquent pas au sanctuaire. Construisez deux sanctuaires pour créer une fracture dans la réalité et vous dépassez de l'un à l'autre. Intéressant. C'est un truc de téléportation, ça. Ok. En fait, faudrait faire un.
cher quand même, ouais. Waouh, mais t'es vénère! Tu prends des cartes de vie à ce mec-là! Waouh! Il est archi vénère. Nicéphore, t'es niveau combien là? ~500% d'efficacité, 65% de. Ok, bah on va chasser, écoute. Voilà. C'est trop rapide. Nicéphore, t'es trop beau, hein. Tous sur le main, bah si tu veux, hein, écoute. Mais tu veux, t'es rapide toi aussi. Ouais, on va enfin retrouver un gobelin. Peut-être Tony Sefort, tu vas pas jusqu'à là-bas. Ouais, je tape avec rien. C'est tendu hein, ce qu'on a à faire. Ah. Bah oui, ça j'avais remarqué qu'il manquait de flexibilité, je comprends. Attends, est-ce que je peux te faire? Non. Est-ce que on peut trouver un truc qui a cassé pour pouvoir lui donner du silex à lui? Parce que je veux voir ce que ça donne. Ah bah voilà. C'est pas très recommandé de faire ça avec ça, mais bon. On va lâcher un peu de la touffe. Je crois que je vais sans doute m'arrêter d'ici peu, ça fait un peu moins 3 heures qu'on est là presque. C'est un peu long. Non. On va s'arrêter. On a tué notre premier gobelin, on va s'arrêter dans pas longtemps, je pense. On va voir ce que ça donne de donner ça. Est-ce qu'on peut piller sa maison? Ça c'est une autre question. On va voir ça aussi. Bip. Ah bah c'est très, je suis très content. Écoute. Voilà. Il faut qu'on ouvre beaucoup de choses. Hein. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a le chat? T'es fatigué? Moi aussi. Non, bah non. Faut qu'on monte. On remonte, on remonte, on remonte. Nicéphore, n'attaque personne, s'il te plaît. Quel bourrin, ce Nicéphore. Ils sont mignons, les petits poissons. Ils essayent de dire, de communiquer. Alors, attendez 3 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai bien fait de dire que je fallait que je m'arrête. Bon, on va ouvrir tout ça, on va voir ce qu'il y a. Ah bah tiens, ça tombe bien. J'ai un pic. Bah ouais, je crois que là on est bien. Hein. Faut juste qu'on fasse des allers-retours. On fait des allers-retours, on récupère tout ça. Je dépose toutes mes affaires là-haut. On sauvegarde. Et j'essaie d'éviter de traîner trop avec Nicéphore parce que mauvaise influence. Hein. Waouh. Quel enfer ce singe. Oui, t'inquiète, un petit moment de repos, hein, on y arrive d'ici peu. Dur. Très très dur. Un singe qui se balade avec un gourdin en métal, déjà, c'est mal parti. qui a pu... Alors, hop, on va tout lâcher, je précise. Non mais... Voilà, on va ranger la bouffe.
Comme ça va nous permettre de faire tout le chemin avec tout. Vu qu'on a un super garde du corps en plus. On regardera après la map, parce qu'avec tout ce qu'on a ramassé, je pense qu'on a ouvert pas mal de trucs de trésor. Je sais pas si c'est les mêmes, vu que je suis pas en ligne. Je sais pas si ça change quelque chose. On va prendre tout ça. Ça. Non, mais on prend tout. C'est du métal, c'est du verre, c'est quelque chose. Et on prend tout. On a dit. Voilà. On va prendre l'étouffe de poils aussi. La boue. Peut-être repartir du côté du chez le gobelin pour récupérer des trucs. Salut Unibler. On a rendu fou notre singe. Nicéphore est un peu agressif. Alors c'est un euphémisme. Hein. Il se balade avec un gourdin en bois, en métal. Alors, en bois c'était tout à l'heure. J'ai un peu peur, je préfère pas m'arrêter, on sait jamais là. On sait jamais parce que il me poursuit, je sais pas si tu vois. Très compliqué. Alors du coup, bonjour, tu m'as donné un truc, est-ce qu'on peut ouvrir ça? Non. Oh, c'est pas intéressant ça, y a rien. Non, c'est pas qui casse tout, il tue tout le monde. C'est j'ai évité qu'il casse tout, justement. Je voulais pas qu'il détruise toute la faune, mais là maintenant Nice casse tout. Et pourquoi CRS? En fait, le problème, c'est... C'est que maintenant, j'ai un peu peur de... Bon, on va peut-être faire le tour de l'île, en vrai. J'ai l'impression qu'elle est petite. On va faire le tour de l'île et on va revenir. Comme ça, au moins, ça sera fait. On comprendra un peu plus où on est. Et on pourra faire toutes les cartes après. Bon, on peut pas comprendre ça, c'est pas grave. Du coup, ouais... Non, non, Nicéphore, il est un peu très violent. Donc là, tu vois, par exemple, je me balade presque sans armes. Je viens de récupérer des armes, mais au final, je me... Ah tiens, il y a... On va prendre ça aussi. En fait, je me balade presque sans armes. Parce que là, c'est une batte en métal. Il se balade avec une batte en métal. C'est très compliqué, hein. Très compliqué de traîner avec lui. Casque et matraque. Non, mais non. C'est pas une matraque. Et c'est pas un casque de keuf. Je suis désolé. Nicéphore, jusqu'à preuve du contraire, ne m'a pas montré qu'il a été très autoritaire. Il m'a juste montré qu'il était très violent. Pour l'instant, il est plutôt sympa. Ah, bonjour. On peut acheter des trucs. Bonjour. Écoute, oui, j'ai peut-être des trucs à t'acheter. Est-ce que je peux m'acheter un chapeau, genre? Ah, une longue vue, c'est bien ça. Relève des terres lointaines en route vers l'aventure. Il faut 3 cordes. Il y a des clés. Non, il n'y a pas besoin de clés. Du coup, il faut 3 cordes. Comment qu'on va faire? Oui, bah oui, on avait compris que c'était la seule boutique de l'île. Ça, par contre, ça, on le sait. On va lâcher ça. Peut-être qu'il y a de la corde, remarque, dans ça. Il n'y a pas de corde. C'est très intéressant. Par contre, il y a une pelle. J'ai trouvé... Quoi? Bon, écoute, on va te laisser, hein, parce que là, je crois que Nicéphore, il a un petit peu la batte qui se démange, surtout qu'il a vu un gobelin, donc on va partir. On reviendra plus tard, monsieur le donjon. Ah non! Un gobelin! Ne te bats pas, Nicéphore, s'il te plaît. Ne te bats pas. Tu n'es pas là pour ça. On fait que traverser l'île.
Là, le but c'est qu'en fait on fait le tour de l'île pour pouvoir bien savoir où nous sommes. Je crois qu'on l'a fait là. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Exact. Du coup, on va s'arrêter ici. Je vais. Non! Non! Ne les tape pas, ils ont rien fait. On est passé par ici? J'ai pas l'impression. Un nain de jardin? Toujours prendre un lien de nain de jardin. Attendez, attendez, attendez. On n'a pas besoin d'une torche. Par contre, on a besoin d'un nain de jardin. Voilà. Maintenant qu'on a un nain de jardin, on peut partir. Eh bien, écoutez. Ah, il fait nuit. Je vais mettre. Je vais m'équiper. Mais un pot. Mais c'est pareil, un pot de jardin, c'est génial. Et ouais, du coup, là, on va. On finit, Nibbler. Parce que c'est un peu complexe de gérer Nicéphore dans ses accès de violence. Du coup, le mieux, c'est. En plus, le pire, c'est que je lui ai montré. Enfin, je lui ai pas montré à taper des gens. Je lui ai montré à chasser. Et il veut pas chasser. Il veut pas chasser à l'arc. Il veut pas chasser des lapins, en tout cas. Par contre, taper des gros brames. Ça, il a envie. Ça, par contre. Ça, c'est son petit. C'est son petit kink. Obligatoire. Alors ça. Bah, tu peux mettre aussi ça. Le pic, je vais le garder. Ça, je vais garder. Et ça, on va garder. Ça, on peut ranger par contre la feuille de verre. Ça sert à rien pour l'instant. On va essayer de mettre notre jardin. Notre nain de jardin à l'entrée. Parce que j'adore mettre les nains de jardin à l'entrée. On peut pas le laisser ici? Voilà, bonjour. Il fait pas du tout flipper. Ouh là là! On récupère toutes nos affaires. Voilà, et on va ranger nos affaires. Et après, on va se coucher. J'espère qu'on a de la vie, hein, parce que j'ai pas regardé beaucoup, j'avoue. Ah, bah non, pas du tout. Ah! On va mourir, j'avais oublié que manger, faut manger des fois. Voilà, je pense qu'on peut faire de la bouffe avec ça. Ah, d'accord, j'ai pas de... Si, mais si, j'ai ça. Choisir la recette, tac, 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 non. Le shish kebab, il est où? Maillet. Faut qu'on mange, là, on va mourir. Oh non! Il y a les chauves-souris. Nicéphore, ne sois pas violent la nuit, s'il te plaît. Là, on se fait à manger, tranquille. Et en plus, il veut même pas cuisiner non plus. Hein. C'est vraiment... Je sais pas quoi dire, hein. Faut qu'on mange là, parce que je sens qu'on va mourir d'ici peu. Bon. Attends. On va lâcher ça. Voilà. Là, ça va. Au niveau de la vie, c'est bon. On ajoute. On s'équipe du maillet. On refait de la bouffe. Et on se couche. J'ai l'impression qu'on a de plus en plus faim. Je sais pas si c'est parce qu'on met du sel dans nos trucs, mais. Compliqué, hein. Alors, il faut que je ramasse ça aussi. Alors, donc. Ça brillait de partout. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait. J'ai pas regardé, mais il y a plein de trucs en fait à ramasser. Il y a plein de petits endroits où tu peux. Où tu peux justement. Comment dire. Trouver des trucs dans les cadavres, dans les trucs qui sont abandonnés et tout. Sauf que voilà, en fait c'est pas de la bouffe. Et en fait t'as beaucoup plus de choses à trouver que de bouffe. Donc je pense que c'est vraiment à cause du multiplayer et que du coup le multiplayer est nécessaire constamment. On va regarder la map. On a trouvé pas mal de choses. Ah, donc là il faudrait aller aussi ici. Est-ce qu'on peut dézoomer la map là? Oui, RT. La map est grande, hein. On n'est pas près d'avoir fini, putain. Je sais pas si on va continuer beaucoup, mais en tout cas là, pour l'instant, je suis un peu traumatisé par Nicéphore. Donc on a fait déjà au moins la première île. On a fait le tour de l'île. On sait qu'on a un... Alors, je vais te montrer pourquoi je dis qu'il me traumatise Nicéphore. C'est quand tu regardes ses stats, au niveau combat. Il est quand même à 65% de dégâts et 500% d'efficacité. Ce qui veut dire que là,
Il suffit juste que je l'équipe avec une arme qui est bien. Et en fait, il fait mal. Mais par contre, tu vois, genre, récolter, ça, il sait faire. Détruire des trucs, il sait faire. Mais par contre, ramasser. Je l'ai jamais vu ramasser quelque chose, pour l'instant. Peut-être qu'il faudrait que je lui montre. Et du coup, ça va augmenter. Mais pour l'instant. Bah écoute, on va essayer tout de suite, hein. Est-ce que tu peux, si je te dis, apprends ça. Et que tu ramasses. Est-ce que tu l'as appris? J'ai pas l'impression que Nicéphore il a envie d'apprendre. Hein. Voilà. Bon, on va faire dodo. Je vous dis à plus. Et bah du coup on recommencera là. La semaine prochaine, je pense. Si on continue, parce que je sais que c'est le genre de jeu qui est infinissable aussi. En tout cas, ce qui est cool, c'est que c'est le genre de truc qui me fait rire. c'est vachement bien, je trouve, à faire de temps en temps. Je crois qu'on est bientôt à la fin de comment ça s'appelle? Ouverture facile, on va checker ça vite fait. Je vais fermer The Survivalist. On va regarder vite fait ce que ça donne au niveau YouTube. Mais je crois qu'on est déjà bientôt à la fin de Ouverture Facile, début de Jet Set Radio. J'ai commencé à préparer du coup le. Voilà. On est bientôt, c'est le 7, la fin de Ouverture Facile. Il y a Jet Set Radio qui enchaîne. Il y a le 7 de Chronologie des femmes artistes qui est sorti. Voilà, n'hésitez pas à checker si vous avez envie. De plus, je n'ai pas mis à jour pour aujourd'hui, mais il y a Twitter aussi. Chose qu'il faudrait que je fasse. Twitter qui va pouvoir nous rappeler d'ailleurs que du coup, il y a la possibilité le jeudi, donc à 21h, il y a Chronologie des femmes artistes avec Nibbler. Et le dimanche, il y a les bêtises qu'on a commencé déjà à faire. Et par exemple, la semaine dernière, on a fait Sludge Life, la fin, parce que j'ai décidé d'abandonner, parce que c'était déjà bien en fait ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a fait une balade de graphes avec des photos. Ce qui est très bien pour un dimanche. Voilà. Donc il y a eu le dernier épisode, là, par exemple, il y a 2 jours, 3 jours. Et du coup, on met à jour au fur et à mesure. Chronologie des femmes artistes, je le mets souvent plus à jour au final que le Chipstream. Mais bon, c'est pas grave. N'hésitez pas, parce que mercredi. Mardi, il y a Petit Cancanou qui nous fait du coup sa prestation. Cette fois-ci, The Last of Us, parce que cette semaine c'était du coup. Comment ça s'appelle? Obradin, qu'elle a fini, non c'était pas, non attends, c'était The Last of Us, c'était quand? Non, c'était The Last of Us, je sais plus. Ah si, c'était la fin d'Obradin, mardi, ok. Donc la fin d'Obradin en Commodore, 62, en Commodore. Sinon, il y a aussi, parce que ça, les gens ne le savent pas, mais du coup, il y a Histoire Crépue qui est, du coup, avec sa revue de presse décoloniale, vendredi. Donc ça fait une semaine un peu chargée, on va dire, mais c'est bien. Je vous invite à regarder et n'oubliez pas tout ce que je vous ai proposé, surtout par exemple Speedon actuellement, qui est en train de se passer. Et du coup, je vous fais des bisous. Intentionnellement pour changer la statistique boostée, parce que c'est vraiment un gros bonus. On s'amuse avec la. Vous avez une range incroyable. Vous avez une range. C'est vrai. Vrai qu'on l'a jamais fait celle-là, mais vous avez une range incroyable avec le boost. Et par contre, il a sacrifié l'altar. Il va pouvoir sacrifier deux de ses familiers pour avoir en réponse deux objets de Devil Deal. Oui. Donc il va sûrement attendre peut-être d'avoir un deuxième familier et d'optimiser ça. C'est vrai que ce Headless Baby est un petit peu claqué au sol. Bah, il laisse du sang derrière lui, il fait un peu de dégâts, mais là, dans une dynamique de speedrun, c'est pas ce qu'on veut voir. C'est des objets qui prennent plus de sens dans d'autres disciplines d'Isaac. Squeezie est parmi nous. T-Rate et deux cœurs bleus, toujours sympathique. Ah oui, Squeezie. Parfaitement exécuté le couteau côté Shigan, hein. C'est ce genre d'objet où on est en autopilote, on va tout droit, on espère juste avoir des bons layouts de salle et on enchaîne. Alors que côté Léo, peut-être sa troisième run qui va se terminer puisqu'il est taux de chest, va pouvoir s'engager sur sa quatrième run. Tout à fait, ça déroule. Shigan qui est le Rotten Baby, là, ce petit familier sympathique qui envoie régulièrement des mouches. Il n'y avait pas de reroll, hein, sinon je pense qu'on aurait peut-être tenté les rerolls.
En effet, alors que Game Onimus, de son côté, va rentrer dans une unité bombe, va aussi avoir Rotten Baby qui va bénéficier de son gros boost de dégâts qu'il vient de récupérer en prenant un coup intentionnellement. Et il se traîne avec une pilule hein, qu'on n'a pas envie de piffer. On n'a pas envie de piffer les pilules dans Isaac parce qu'on ne sait jamais si on a un health down, on enlève de la vie ou on peut enlever de la cadence de tir. C'est un peu trop risqué.